La nature et la terre non seulement nous apprennent que Dieu existe, mais nous parlent également de ce qu'on appelle, mes bien chers amis, mes bien chers frères, les perfections de Dieu. Dans la nature, lorsque nous regardons à la fois tout ce que ça signifie comme puissance pour obtenir un tel résultat, lorsque nous voyons dans la nature comme elle est capable de s'emporter parfois dans des orages qui nous font peur, dans des ouragans, dans des tsunamis, et que nous voyons cette puissance dans la nature, nous nous disons, c'est bien comme celui qui est à l'origine de tout cela, est vraiment le Tout-Puissant. La puissance que nous voyons dans les éléments des choses nous parle de la Toute-Puissance de Dieu. Ou bien, lorsque nous voyons encore l'ordre qui existe dans les choses, l'ordre qui existe dans le corps humain, pour que le corps humain puisse exister, puisse subsister, l'ordre qui existe entre les étoiles des cieux, qui sont innombrables, et pourtant tout est dans un ordre splendide, qui fait la joie des astronomes, eh bien, nous nous disons, derrière un tel ordre dans les choses, il y a un ordonnateur, et nous saluons à ce moment-là la toute sagesse de Dieu qui se trouve derrière l'ordre de la nature. Et puis, comme je l'ai un petit peu dit, je prends un autre exemple. Lorsque nous voyons l'immense diversité des fleurs, par exemple, avec leurs couleurs, avec leurs senteurs, et que nous nous approchons de la plus petite d'entre elles, et que nous pouvons dire, sans mentir, que effectivement, cette petite fleur, eh bien, Salomon, dans toute sa splendeur, n'était pas vêtu aussi bien qu'elle, nous voyons, bien chers amis, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu qui s'exprime à travers toutes ces magnificences qui sont pour qui et qui sont pour nous, pour que nous puissions être ravis à notre tour, tant par la beauté des fleurs que par la senteur des fleurs. Et voilà, Dieu a fait ce monde pour nous. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous qu'il l'a fait, pour que nous puissions profiter de toutes ces beautés de la création. Dieu est tout-puissant, Dieu est infiniment sage, Dieu est infiniment bon, et Dieu, je l'ai dit, est vraiment le grand artisan et en même temps le plus grand artiste qui existe, parce que, en plus, tout cela est d'une beauté qui nous ravit. Eh bien, lorsque les hommes, au lieu de se trouver des pauvres, au lieu de se trouver dans les couloirs du métro, dans des univers de béton et de gratte-ciel, ont la possibilité de se trouver tous les jours devant le spectacle de la nature, infailliblement, ce spectacle ne peut que les élever vers la compréhension, la connaissance de l'existence de Dieu et des perfections divines. Oui, la terre, la nature nous font du bien parce qu'elles nous rapprochent de Dieu. Mais ensuite, mes bien chers frères, on peut rajouter à cette première considération extrêmement importante et qui légitime à elle seule l'initiative d'aujourd'hui, on peut ajouter ensuite à quel point, et je donnerai quelques exemples pour le montrer, à quel point le retour à la terre, le travail de la terre est une école de vertu. Certes, d'abord de vertu naturelle, mais vous savez à quel point il y a une symphonie qui existe entre les vertus naturelles et les vertus surnaturelles, de telle manière que si l'homme acquiert des vertus naturelles, c'est comme un terreau bienfaisant qui permettra à la grâce plus facilement de s'éclore dans son âme. Oui, à l'école de la terre, à l'école de la nature, je dirais, et je vais utiliser ce mot de paysan en souhaitant que la noblesse
qui existe dans ce terme soit bien comprise de tous, mais eh bien, le paysan va apprendre au contact de la terre cette vertu de force dans différents de ses aspects, mais j'en citerai deux, la patience et la persévérance. La patience, parce que il faudra des soins journaliers et des soins méticuleux pour pouvoir tant s'occuper des bêtes, tant s'occuper des plantes, mais que s'il n'y a pas ces soins méticuleux qui sont donnés avec cette connaissance que tout ne dépend pas non plus de l'homme, mais que d'autres éléments interviennent, eh bien, le paysan ne verra pas ses récoltes parvenir. La patience est nécessaire. La terre lui apprend la patience. La terre lui apprend également la persévérance, c'est-à-dire cette nécessité, quoi qu'il advienne, qu'il y ait, eh bien, des climats qui soient défavorables ou non à ce qu'il essaie de faire, eh bien, de continuer jour après jour, d'avoir cet esprit de travail, cet esprit de continuité dans les œuvres qu'il fait, et il n'abandonne jamais la partie. Il ne laisse pas ses champs être recouverts de mauvaises herbes, il ne laisse pas la friche dominer, il reprend son travail jour après jour. La terre est une école de persévérance, et le paysan qui ne persévérerait pas courrait à la ruine. À la terre, l'homme apprend aussi l'humilité. L'humilité parce qu'il se rend compte qu'entre l'homme contemporain, contre l'homme démiurge, contre l'homme transhumaniste, il apprend au contact de la terre qu'il n'est pas le maître des choses. Que si il n'a pas l'humilité de chercher à découvrir quelles sont les lois des arbres, les lois des animaux, les lois du climat, et que s'il ne s'y soumet pas et qu'il veut imposer sa volonté, eh bien, sa volonté apparaîtra rapidement comme étant ridicule. Il ne parviendra à rien, il abîmera tout, et l'agriculture moderne le montre hélas tant. Il faut qu'il se soumette aux lois de la nature pour que, eh bien, les fruits qu'il espère, il les obtienne. On voit de cette manière-là à quel point l'homme apprend au contact de la terre l'humilité. Voyez-vous, la supériorité du paysan sur beaucoup de métiers d'aujourd'hui. Eh bien, c'est que au contact de la terre, le maréchal Pétain l'avait bien dit, il n'y a pas de mensonge qui est possible. Je hais ces mensonges qui vous ont fait tant de mal, la terre ne ment pas. Oui. La terre ne ment pas, c'est-à-dire que, voyez-vous, celui qui parle, j'en tire une leçon pour moi-même, celui qui parle, eh bien, l'air dans lequel mes paroles vont passer, si je dis des erreurs, si je dis des mensonges, l'air ne réagira pas à ce que je dis. Ou bien, si j'écris avec mon stylo, ou si vous écrivez avec vos claviers, eh bien, la feuille de papier ou vos écrans ne réagiront pas aux erreurs ou aux mensonges que vous dites. Tandis que si le paysan fait n'importe quoi dans ses sillons, eh bien, il verra par un coup de boomerang très rapide, les conséquences de ces bêtises et les conséquences de ces mensonges. C'est toute la différence entre ce métier du réel et d'autres métiers qui, s'en éloignant, eh bien, sont des métiers parfois utiles, je ne dis pas, mais qui n'apportent pas les effets négatifs qu'ils pourraient apporter aussi vite que dans le travail de la terre. Aussi, eh bien, l'homme apprend l'humilité et l'homme apprend la vérité au contact de la terre ne ment pas. Or, eh bien, chers frères, quand on a exprimé tous ces avantages du retour
tous ces avantages que des métiers de la terre, et pour ne prendre qu'un seul mot, du métier de paysan, eh bien, lorsqu'on a exprimé tous ces avantages, on voit à quel point un peuple qui s'éloigne de la terre s'éloigne donc de la vertu et s'éloigne de Dieu, et à quel point, au contraire, un peuple qui se rapproche de la terre se rapproche des vertus et se rapproche de Dieu. On ne peut donc que désirer le retour à la terre. Et il faudrait gommer de ces livres d'histoire dans lesquels, malheureusement, les enfants français, pour la grande majorité d'entre eux, apprennent l'histoire d'aujourd'hui. Il faudrait, je pense, vraiment gommer, par beaucoup d'expressions, celles des Trente Glorieuses. Celles des Trente Glorieuses, qui sont là, comme vous le savez, pour parler des années qui sont entre 1945 et 1975, parce que ce sont des années où le pouvoir d'achat des Français a augmenté. Et on parle des Trente Glorieuses à cause de ça. Mais ces Trente Glorieuses, il faudrait plutôt les appeler, à bien des points de vue, les Trente Calamiteuses. En particulier pour cette raison, qu'au cours de cette période, la population active agricole française est passée de 7,5 millions à 2,1 millions. Vous voyez d'emblée à quel point le désert agricole, le désert des campagnes françaises s'est fait au nom des Trente Glorieuses, avec en plus véhiculé par les médias une sorte de mépris à l'égard des paysans considérés comme arriérés, comme archaïques, et une sorte de vanité concernant l'exode vers les villes, avec tous les désenchantements et les suicides que cela a entraîné par la suite. Pardonnez-moi de citer un auteur profane, mais il me semble que ce qu'il a dit est très juste, je parle de Jean Giraud. Eh bien, Jean Giraud, en voyant cette période, a dit, en fait, c'était une espèce d'exode entre ceux qui restaient dans les terres et ceux qui partaient dans les villes. C'était la différence entre ceux qui voulaient vivre naturellement et ceux qui désiraient, au fond de même, une vie artificielle, parce qu'ils espéraient dans cette vie artificielle des paradis, et qu'ils pouvaient être éventuels. Évidemment, vous le comprenez, que des paradis artificiels, hein, et ça c'était un très mal. Voilà, et bien, chers frères, ce que je voulais vous dire pour féliciter nos hôtes de cette très belle initiative qu'ils ont prise, et vous souhaitez que bien cette initiative puisse avoir l'écho qu'elle mérite, puisse donner le désir, prudent, certes, parce qu'on ne s'improvise pas, je pense, le désir que beaucoup puissent aller dans ce sens-là. Je pense que ça peut être singulièrement favorable à l'éducation des enfants. Bien sûr, citer, mais vous connaissez tous cette citation, Monseigneur Lefebvre, qui dès son jubilé d'or, bien exhortait ceux qui le pouvaient, les familles qui pouvaient, à retourner dans la campagne, à retourner à la terre, et à désirer profondément pour tous ceux qui le peuvent. Je pense, chers amis, je pense que une continuation possible, une façon de continuer cette journée consisterait pour vous à créer une sorte de réseau d'agriculteurs, de réseau de paysans qui s'aideraient les uns aux autres, et il y a beaucoup à faire, et qui pourraient conseiller et aider ceux qui comprenant un petit peu les choses que je dis, et qui en voyant l'intérêt, chercheraient à faire de même. Il me semble qu'il y a vraiment une grande œuvre à accomplir dont nous avons peut-être la semence mise en terre aujourd'hui. Pour conclure, mes chers amis, je pense que vous ne vous étonnez pas dans une messe, dans une prédication, que je puisse dire tout ça. C'est vrai que c'est au niveau naturel que je me suis placé, mais en même temps, eh bien, c'est justement parce que le terreau naturel et bon,
que ensuite, grâce à cela, l'œuvre surnaturelle va pouvoir porter, eh bien, le plus profondément possible tant de fruits. La France des saints, eh bien, c'est une France rurale, c'est une France de paysans. Tant de vocations, la plupart des vocations venaient en France de ces belles familles qui venaient des différents terroirs, des différentes provinces de France, et parce que justement l'atmosphère familiale était bonne, parce qu'elle était saine, eh bien cela permettait la sainteté. Lisez un magnifique roman comme celui de René Bazin, Magnificat, et vous trouverez dans ces lignes, eh bien, toute cette beauté, cette noblesse, je dirais, qui existait dans ces familles paysannes françaises, véritable gloire pour la France. Voilà. C'est donc aussi pour vos enfants, pour l'avenir, pour les vocations dans vos familles, pour que vos enfants soient fidèles à ce que vous voulez leur transmettre de meilleur, tant sur le plan naturel que sur le plan religieux, qu'il faut favoriser ce retour à la terre. Alors, eh bien, au cours de cette messe, nous nous tournerons vers notre Dieu qui nous aime, vers notre Dieu qui connaît tous ceux qui sont ici présents individuellement. Donc le bon pasteur connaît chacune de ses brebis, qui nous aime comme personne ne peut l'imaginer, et qui désire tellement nous conduire à lui, et qui désire tellement, dans ces temps de désolation, que son petit troupeau de catholiques fidèles en France, eh bien, persévère, prospère, demeure fidèle. Il le veut tellement, le bon Dieu, que il faut, eh bien, chers frères, il faut au cours de cette messe que nous lui demandions de tout notre cœur de lui être fidèle. Cette messe a lieu dans une grange et lorsqu'une messe a lieu dans une grange, nous ne pouvons pas ne pas penser à nos ancêtres chouans, soit de la Vendée militaire, soit de cette province de Lyon qui a eu aussi une si belle résistance à la Révolution. Il faut que nous soyons des fils et des héritiers fidèles de nos anciens. Et il faut que nous comprenions, chacun d'entre nous, sans aucune exception, quel que soit son âge, que nous comprenions cette nécessité de nous associer profondément les uns les autres pour ce combat commun, que nous ne soyons pas seuls, chacun dans notre coin, mais que tous ensemble, derrière l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, derrière l'étendard du Sacré-Cœur, que nous mettions ensemble nos forces, parce que nous sommes tellement plus fort avec la grâce de Dieu, lorsque nous sommes tous ensemble, comme les grains de froment forment la Sainte Hostie, pour pouvoir mener les combats du Seigneur. Alors, mes chers amis, je le dirai ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ nous aime, et notre Seigneur Jésus-Christ veut que nous nous aimions les uns les autres. Saint Jean, dans les derniers temps de son âge, lorsque ses disciples lui demandaient de parler, qu'est-ce que disait le Christ? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui. Eh bien, chers frères, il faut que cet amour profond de charité existe entre nous. Parce que cet amour de charité, c'est lui qui fait les liens entre les hommes chrétiens. Et donc, eh bien, nous devons nous donner du mal pour que nous aimions en vérité les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Ce n'est pas d'un amour sentimental que je parle. L'amour sentimental, ça n'est rien. C'est un amour profond qui se traduit par le dévouement, qui se traduit par le don de soi qu'on fait les uns pour les autres, les parents pour les enfants les uns vis-à-vis des autres, et tous pour notre pays, et tous pour la Sainte Église. Enfants de France, enfants de Marie, nous avons tant besoin de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci.
vais prendre un peu la parole pour la partie organisationnelle. D'abord, je vais exprimer mes remerciements envers le Père Joseph pour ses petits mots, ainsi que tous les militants, les familles de militants ici du 71, je ne vais pas les nommer parce que je risque d'en oublier. Et d'autres personnes, notamment de la paroisse de Paré, ainsi que la paroisse de Paré, de nous avoir aidés amplement pour cette journée. Donc je les remercie infiniment. Merci de la présence aussi d'Alain, qui je sais a un grand tropisme pour le retour à la Terre, donc il en parlera tout à l'heure, je lui laisserai bien sûr la parole. Alors le repas, quasiment tout a été produit sur place. L'entrée vient du potager. Le repas complet, vous voyez la grosse gamelle là, qui est sur la cuisine rabot qui chauffe depuis ce matin, ça a été fait sur place. Vous aurez un accompagnement, ce sont des, elles sont en cours là-bas, dans le, vous avez un four là-bas, un four à bois dans lequel on fait des frites avec des pommes de terre ici. Vous verrez, ils ont des pommes de terre noires, elles sont pas brûlées, elles sont de cette manière, pour des pommes de terre, ce qu'on appelle violettes, de la lavande d'Allemagne. Ça existe, faut le savoir. Elles sont très productives. Et vous aurez, que je vous dis pas, oui, le pain est fait ici. Donc, vous aurez du pain fait ici, par mon goût. Et puis, vous aurez un petit morceau de fromage, on a réussi à avoir un petit morceau de fromage pour tout le monde, normalement, de nos brebis. Et il y aura un peu de fromage de chèvre que j'ai récupéré, parce que, en fait, comme j'ai pris beaucoup de viande, on m'a donné des fromages de chèvre, donc j'ai pas mis. Et, puisque la viande vient d'un éleveur local. Pour votre information, c'est du charolais local. Donc, voilà. Parce que moi, j'ai pas de viande, enfin, j'ai pas de vache, enfin, des bulles. Donc, je suis allé chercher de la viande chez quelqu'un. Voilà, c'était d'abord directement. Non. Et après, en dessert, vous aurez des desserts réalisés par mon épouse avec les fruits du jardin. Vous découvrirez. Mais vous mangerez dans des vraies assiettes. Un vrai bonheur, avec des vraies fourchettes et des vrais couteaux. Vous n'aurez pas droit aux couteaux et aux fourchettes en carton ou en bois, ou je ne sais pas. En plastique, ils en font. Et on s'est débrouillé à trouver de la vaisselle partout, qu'à tenir. Pour nourrir quand même, sont inscrits 124 personnes au repas. C'est la première fois qu'on fait ça. Écoutez, nous avons prié Sainte-Claire pour que le temps se maintienne. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre présence. Et à très bientôt, je passe le micro à Alain. Il est évidemment difficile de compléter déjà tout ce que le Père Joseph nous a dit en sermon et qui était extrêmement significatif de la finalité de cette journée. Le retour à la terre tient évidemment beaucoup à cœur de Civitas. Le retour à la terre est avant tout le retour au réel. Et pour avoir eu l'occasion de découvrir cette ferme hier et d'en voir le fonctionnement avec Jean-Nicolas et son épouse, c'est une extraordinaire école d'humilité. Être paysan aujourd'hui, c'est vraiment une profession qui, d'une certaine façon, on pourrait dire, relève d'un certain sacerdoce. Parce qu'il faut y consacrer une régularité, des efforts dans les choses les plus humbles. Et c'est hautement admirable. Il n'y a pas de pays sans paysans. Et le paysan, le vrai paysan, ce n'est pas l'industrie agricole, évidemment. Ici, on est loin de ces nouvelles formes d'agriculture
qui n'ont plus rien à voir avec le véritable travail du paysan. Aujourd'hui, la France, hélas, a subi une perte massive de ses authentiques paysans. La France rurale est de plus en plus l'objet d'une dépopulation. Et ce qui fait office d'agriculture est de plus en plus dans les mains de grands consortiums, de grands propriétaires qui mènent leur activité d'une façon qui est de l'ordre de, d'une certaine façon, de l'industriel et non plus de la paysannerie authentique. Ici, par contre, on est vraiment dans le travail paysan tel qu'il était autrefois organisé, et c'est assez extraordinaire à observer. Vraiment, j'y ai pris beaucoup de goût à regarder tout ça de près depuis mon arrivée hier, et vraiment de voir, vous voyez, le soin et le détail qu'il faut apporter chaque jour. De voir la régularité simplement d'aller le matin récolter à la fourche le purin qu'il faut mettre dans des brouettes, parce qu'il faut nettoyer chaque jour l'espace occupé par les chevaux. C'est un travail qui est sans doute ingrat, mais c'est un travail qui est indispensable, et c'est dans cette humilité que l'on reconnaît le vrai travail du paysan. J'ai dit pas de pays sans paysan. Et c'est d'autant plus important de le souligner, voyez-vous, qu'aujourd'hui, on observe un phénomène qui est peu commenté dans les médias et même peu commenté dans le monde de la dissidence, qui est l'acquisition massive des terres agricoles par des grands milliardaires cosmopolites. Il faut savoir que, par exemple, sur le continent américain, Bill Gates est déjà propriétaire à titre personnel d'un tiers des terres agricoles. Et ce phénomène, il est extrêmement significatif. Il en dit long sur ce qui se prépare. Et il va sans dire que ce qui se prépare n'est pas pour notre bien. Et donc, Madame Novian en parlera tout à l'heure, bien mieux que moi, qui ne suis qu'un un humble citadin et qui regarde ça avec cette ferme, avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'admiration, mais qui ne suis vraiment qu'un incapable par rapport à tout ce savoir-faire qui est nécessaire pour s'occuper d'une ferme. Mais voyez-vous, lorsqu'on observe ce développement de l'accaparement des terres agricoles par des milliardaires, eh bien, ça signifie qu'il est aussi urgent de se réapproprier un maximum de terres agricoles au profit, justement, d'un vrai travail de paysan. Et c'est tout l'objet de ce retour à la terre que l'on cherche à promouvoir à travers le discours de Civitas, c'est que dans un monde mondialisé, dans un monde décivilisé, dans un monde déchristianisé, le retour à la terre est une valeur sûre, est une valeur essentielle, est une valeur indispensable. Lorsque les villes s'effondreront, et elles s'effondreront, les campagnes seront les seuls endroits de refuge. Et ça doit se préparer au plus tôt. Et tous ceux qui aujourd'hui sont dans des situations professionnelles, somme toute, assez instables, doivent se demander maintenant s'il n'est pas temps de revenir à la terre, de réaliser ce retour à la terre. Et d'offrir à leur famille, à leur foyer, à leur épouse, à leurs enfants,
autre chose que la malbouffe de supermarché, que l'insupportable vie urbaine, que le stress permanent de ces mégapoles absolument détestables. Et hier, en découvrant cette propriété avec Jean-Nicolas et son épouse, rien que le fait de découvrir toutes les saveurs des fruits, des légumes ici, de simplement prendre une framboise ou une tomate dans ce magnifique décor et de goûter cela, c'est dans la bouche un feu d'artifice tellement éloigné de l'insipide de ce que l'on nous vend dans les supermarchés. Et cela traduit déjà cela, voyez-vous, toute la démarche qui est à faire pour nos enfants, pour assurer l'avenir. Ici, vous trouvez les vrais produits de terroir. Ici, vous trouvez ce que Dieu a offert comme variété pour nous nourrir. Le Père Joseph l'a assez rappelé. Et c'est tout cela qu'il faut encourager. Le retour à la terre est un fondement du retour à la société chrétienne et du retour à la défense de nos patries. Et vraiment, je veux encore saluer avec beaucoup d'admiration le travail de monsieur et madame Novian et aussi le travail qu'ils ont fait pour vous accueillir en nombre aujourd'hui. Madame Novian s'est levée, je pense, à 3h30 du matin et vraiment, je veux que vous l'en félicitiez et la féliciez. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de parler de Boris. Je vais essayer déjà de vous remercier d'être venu aussi, de remercier le Père Joseph d'être venu et aussi le président Alain Gala qui nous a, voilà, c'est-à-dire gentiment rendu ce que nous avons voulu donner en accueil avec beaucoup de décence et d'humilité et d'acceptation en fait d'être comme un Dieu accueilli simplement voilà par le monde. Je voudrais expliquer comment je travaille mais je nous sommes isolés, ce qui est très agréable, il est vrai, qui est très agréable, entouré de prés et forêts, donc un cadre dont on se réjouit tous les jours quand on regarde par la fenêtre ou tout simplement quand on se promène autour. Voilà, c'est ça très court. Je veux dire pourquoi est-ce que nous avons organisé cette journée. Voilà, parce que c'est un cri de cœur. Un cri de cœur, je ne pourrais pas mieux dire que le Père Joseph et Alain Scada. C'est un cri de cœur, une sorte de révolte que j'ai sentie il y a un an. De voir aussi que il est vrai que nous sommes seuls, nous n'avons plus que notre garçon avec nous. Nous avons 6 enfants, 5 sont partis, donc 4 mariés, une autre qui va se marier bientôt. Et donc pour dire, écoutez les enfants, comptez la terre, restez à la terre avec nous. Et j'espère qu'ils y reviendront un jour, comme je souhaite aussi que vous reveniez à la terre. Mais non seulement ce que je veux dire par là, revenir à la terre, ne pas s'installer à la campagne, vivre à la campagne comme on vit en ville, mais vraiment acheter des terres, acheter des fermes. Si vous le pouvez, ceux qui peuvent, ceux qui hésitent, ceux qui ont besoin de conseils, parce qu'actuellement, M. Escada en a parlé, nous avons, voilà, des terres sont bradées. Bradées, il y a pas si longtemps, dans l'Indre, il y a 1 700 hectares qui sont partis à un Chinois
qu'il a acheté, à, je ne sais pas à quel prix, mais c'est affligeant, c'est ce qui se passe. Pour voir au cours de l'histoire, la France est construite par les familles. Les nations se construisent par la famille, par un solide socle, pour tisser au fur et à mesure un lien social. Ça veut dire que vous avez une famille qui règne, voilà, qui règne, qui existe dans un pays, dans un village, et cette famille va grandir. Et il y a des personnes qui vont venir, etc. Et c'est ainsi que se forment les villages, les nations, et c'est ainsi que les nations se sont formées. Il ne faut pas oublier que nous avons actuellement un grand problème qui n'a peut-être pas été abordé. Les campagnes sont investies par des personnes qui soient, voilà, qui ont le goût de la nature, qui ont le goût de bien faire l'agriculture biologique, mais ce ne sont pas des familles. Ce sont des communautés qui sont composées de personnes complètement, il est vrai, déboussolées, qui vont de temps en temps en Afrique pour faire de l'expérience, qui reviennent d'Afrique avec, parfois étant séparés avec une personne, revenant avec des enfants, et chassant du foyer la compagne avec qui ils étaient auparavant. Nous avons assisté à une démonstration, à une manifestation de ces personnes-là avec notre cheval. Donc on se rendait compte que, ô combien, c'est le désastre que c'est la belle France ou de beaux pays soit investie par des personnes qui malheureusement ne connaissent ni le bon Dieu, ni une véritable chaleur que peut apporter une vraie famille, une famille catholique et chrétienne. Voilà, c'est ce secret de cœur. Je vais vous dire que ce que nous essayons de vous montrer, ce n'est pas maintenant une belle terre en fonctionnement parfait. Elle n'est pas parfaite. On apprend tous les jours. On fait nos expériences. Moi, j'aime beaucoup faire nos expériences. Et vous avez donc beaucoup d'imperfections. Voilà. Plus on est nombreux, plus on peut délaisser un peu cette mécanique et de faire, je cite, l'abbé Philippe Rigaud, les essais sur la naissance d'une civilisation, le faire jeune des machines et privatisation des machines au fur et à mesure, pour nous, il est vrai, sanctifier, pour nous rapprocher du bon Dieu et de la dette que nous avons envers notre Créateur. Nous sommes ses créatures et nous devons respecter jusqu'au plus petit détail sa création. Ça ne veut pas dire, voilà, être, comme disais, voilà, ces écologistes, etc., etc., d'adorer la mère terre, je ne sais, non, d'adorer notre Seigneur qui nous a donné tout cela et qui nous regarde. Comment est-ce que je travaille tous les jours pour donner le fruit? Pour donner naissance à une brebis, un cheval, etc., etc. Et je m'exprime mal, excusez-moi, je suis allemande, en fait, il est vrai que j'essaie de d'exprimer ce que je veux vraiment transmettre et vous dire aussi que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez revenir, parce que ça vous intéresse, téléphonez, on est, la porte est ouverte, même s'il y a le chien. Mais le chien nous garde, il est vrai, il nous garde bien. C'est une citation d'un enseignant rural. Voilà. Alors, c'était Yves de Hautecloque. L'exode contre nature des familles paysannes est la faute universelle du XXe siècle, le péché mortel du monde chrétien. Donc, effectivement, je pense que pour en remettre une civilisation, pour renaître,
mais ça va remettre les racines de la terre. Je suis persuadée. Je parle pour nous parce que nous sommes les fermes. Bien sûr, il y a des professions qui sont absolument respectables et... respectables, mais je parle pour la ferme. Et c'est un métier passionnant, fatigant, mais très, très passionnant. Et on se régale tous les jours avec le travail que nous faisons. Donc voilà, je vous retiens pas davantage. On va passer à l'action avec le cheval qui va tracter dans le champ. Et après, je vous souhaite un bon appétit. Et voilà, que Dieu garde ce petit troupeau et que je souhaite vraiment que vous veniez me voir pour me dire j'ai acheté. Voilà, et de préférence dans les environs. Bon, moi je vais rester très tard à terre comme d'habitude, donc ma chère épouse va aller chercher son petit cheval, vous avez compris, et donc ça commencera juste là. Et alors, il y a aussi un petit point que j'avais oublié. Alors, Sainte-Claire, nous avons un peu d'eau. Hein. Alors, ça va se terminer. Normalement, on voit que ça s'éclaircit, donc ça vient de là-bas, ça vient de gauche. Voilà. Donc, ça devrait être beaucoup moins d'espoir pour le repas. Sinon, on mange un, ben, à l'intérieur, on a deux pièces déjà ici, puis ici avec la bâche. Normalement, on devrait tous tenir un peu près. Ah ben, il y a l'Empire qui va parler. Non, je voudrais simplement dire que si je passe l'été comme moi pendant la messe, mais il a fallu que je me concentre énormément parce que j'avais le fumé du bourguignon sous le nez pendant toute la messe. Et comme je suis déjà naturellement gourmand et que nous sommes les quatre temps, il a fallu que je fasse beaucoup d'efforts pour ne plus sentir ce magnifique bourguignon qui mijote depuis 48 heures. Merci Léopère. Comment tu fais ? Voilà, donc vous pouvez suivre mon épouse, voilà, elle va chercher le cheval, comme ça vous verrez la totalité de la démonstration sur la traction animale. Donc la jument s'appelle Unique, elle a environ 13-14 ans, elle fait 800 kilos, et vous allez voir qu'un petit bout de femme de moins de 50 kilos arrive à dompter cette bête, cet animal. Nous on appelle ça les animaux de 800 kilos, merci. C'est ça. Non, on va voir pour faire des apéros et du vin. Et est-ce qu'il faut ici? Il faut bien aller marcher dans les supermarchés. Faites-en beaucoup, madame.
Non, surtout. Mais même chez vous. Ah bon? Comment t'as chez vous? Avancez, s'il vous plaît. Voilà, donc là, vous m'entendez là? Bon. Donc là, c'est unique. À quel âge a-t-elle, Sony? 13 ans. 13 ans. 800 kilos. Ardennaise, comtoise. Voilà, c'est une jument. Donc là, on l'a échauffée, parce que comme tout le monde, il faut s'échauffer, avoir un effort pareil. On s'échauffe. Voilà, donc là, elle s'échauffe, en fait. Et là, maintenant qu'elle l'a échauffée un petit peu, elle va accrocher l'engin, donc qui est un canadien, avec des lames souples. Donc vous avez des lames souples noires, que vous voyez. Il y en a 5 lames souples, qui servent tout simplement à gratter le sol en surface, et qui permet d'enlever les mauvaises herbes et de gratter ce qu'il faut. Alors, on peut très bien le guider, comme le fait mon fils, mais on peut aussi le laisser. Ma femme travaille seule, donc elle travaille avec ce Canadien seul, sans que quelqu'un le guide. Vous voyez, mon fils ne tient plus, là, maintenant. Et j'ai enlevé les pommes de terre vite fait, comme ça, et ensuite, on a fait passer le cheval, et j'ai dû en ramasser une bonne cinquantaine de kilos qu'elle a déterré elle-même. Elle tourne avant l'arbre, donc elle sait maintenant qu'il y a l'arbre. Voilà, on fait attention et on repart. Donc pour un cheval comme ça, il faut de la distance. Hein, pour travailler, il faut au moins 40 à 50 mètres. Sinon, il fait demi-tour trop souvent. Donc là, vous voyez, au moins elle travaille pendant 40 à 50 mètres. C'est pour ça qu'on a fait un champ de culture tout en long. Donc là, c'était le champ de patates, hein, qu'on a enlevé toutes les pommes de terre, enfin, il en reste encore. Et donc là, on va le travailler, ensuite on pourra pouvoir semer ensuite dedans. Parce qu'à l'arrière de ce Canadien, vous avez des petites pointes en l'air, je ne sais pas si vous avez fait attention, et ça s'appelle une herse étrille. D'accord? Voilà, une herse étrille, donc ça permet de passer les pointes d'abord, ce qu'on appelle les pointes vibrantes, et ensuite on met l'herse étrille pour égaliser. C'est une sorte de gros râteau, si vous voulez. Voilà. Et là, la largeur de travail fait 60. Il existe des Canadiens qui font 90 et 120, mais après, on est obligé de mettre plus de chevaux. Ça, c'est pour un seul cheval. Moi, j'arriverai jamais. Voilà. Là, tu feras autre chose. Juste devant, là, ce qui fleurit un petit peu, là, en fait, c'était l'ancien champ de patates de l'an dernier, qu'on a travaillé avec le cheval. Août, début septembre, et on a semé dedans, ma femme a mis un engrais vert. Donc là, vous avez un engrais vert, vous voyez, je compliqué là, un petit en bois. Voilà, et ensuite, après, au fond, là-bas, vous avez des petites pousses, c'est moi qui parle aussi, qui embête. Vous avez des petites pousses, et c'est de l'avoine. Et en fait, on va essayer de récolter de l'avoine verte pour les chevaux, pour l'hiver. Et ça sera une sorte d'engrais vert, si vous voulez. Ensuite, on va repasser le cheval dedans. Et ça va nous permettre de semer ensuite. Ça va nourrir la terre. Et devant, là, ici, devant le filet, vous avez les rangs de fraisiers. Voilà, donc deux rangs de fraisiers. Il y a l'arbre. Il va bien s'asseoir sur les pieds. C'est bien, alors c'est pour ça le cheval, j'ai mis, qu'on a eu un petit accident avec elle a pris peur, elle nous a, voilà, et j'ai pris le temps de la dresser pendant 3 mois dans la carrière tous les 2 jours, pour qu'elle s'arrête comme elle s'arrête maintenant. Je lâche et c'est qu'il faut s'arrêter, ça c'est très important pour la sécurité, parce que quand je suis seule, et que je suis derrière, elle commence à marcher, ben elle va m'entraîner avec toute sa force, hein, voyez-vous. Donc c'est pour ça, vraiment, il faut prendre énormément de temps pour la dresser avant qu'elle réagisse comme ça. C'est évident. Comme disait tout à l'heure Alain et le père Joseph,
tout, la terre dépend, enfin le champ dépend de l'activité de la, de, du paysan. Ouais, si le paysan travaille sa terre, il aura moins de mauvaises herbes. Parce que des mauvaises herbes, je peux vous dire qu'on en a, hein. On sait que c'est. C'est là quand vous dites, hein, vous êtes en permaculture, mais je ne sais plus, du coup, vous faites à la. Genre grelinette ou ces trucs-là pour... Oui, on fait grelinette, cheval, et on ne fait plus tracteur. Le tracteur, lui, il sert uniquement pour. Que vous avez vu à l'entrée, là. En giro ou en. Il sert uniquement pour faire des foins, c'est tout, grosso modo. Et me soulever le fumier, parce que ça, c'est très lourd. Ok, ouais, c'est cool. Voilà. Mais t'as tapé. J'ai découvert et tout le monde. Espérons que ça refroidisse pas. Ça, c'est aussi des noix ? Non, ça, c'est des branches. C'est la première fois que je vois des pommes de terre noires comme ça. Pardon. Ça, c'est pommes de terre noires. Et ça, c'est rare, ça. Mais j'ai jamais vu, moi. J'avais jamais vu. Je cuis les patates depuis ce matin. Enfin, non, je les chauffe. Je les ai cuits hier et je les chauffe ce matin. C'est des pommes de terre classiques, ça? Ça, c'est des pommes de terre noires. Et on a cuit des pommes de terre classiques et là, maintenant, il reste des pommes de terre noires. C'est quoi, là? Il y a une différence La couleur. Et puis, elles sont plus productives. Il y en a plus que des pommes de terre blanches, ça produit plus. Mais sinon, niveau goût, ça change pas grand-chose. Ça se cuisine de la même façon Oui, oui, oui. D'accord, ouais. Bon, après, les gens n'aiment pas forcément parce que comme c'est des patates plus petites, pour les éplucher, c'est pas pareil. Il faut plus éplucher pour la même quantité. Ah, dis donc, il y a un super four, là. Ouais. Ce sont des bandes dessinées, oui, d'une série de 12, notamment sur des grandes figures françaises. Saint-Louis, Vercingétorix, Sainte-Jeanne d'Arc, voilà, il y en a une douzaine de titres. Et vous avez trouvé ça facilement? Alors écoutez, c'est une passion, c'est du chinage sur les brocantes et sur les vide-greniers que j'essaye d'avoir à des prix intéressants, pour les revendre à des prix intéressants et pour les remettre dans notre circuit qui nous est cher. Voilà, pour éviter que ça parte, on ne sait pas où, mais voilà, dans les déchetteries par exemple. Bravo. Voilà. Ah oui, mais c'est, voilà. C'est bien, c'est vous qui les avez tous trouvés? Oui, je chine et puis après, je profite. Vous chinez où sur les brocantes, les vignes-greniers. Ah non, c'est dès que je vois une brocante, j'ai le temps, je m'arrête et j'essaye de trouver. Le vin, où est-ce qu'il est le vin Le vin, il est là. Il faut le mettre hein, sur la table. Non, pas lui. Lui, c'est notre petit. Allez, moi, je prends un gras pour tout le monde. Allez, attends, ah ouais. Ouais, tout ça. Vas-y. Attendez, mais on va mettre carte qui j'ai le La main du chef. Allez, mélange. Mais... Sinon, ça n'a pas de goût, quoi. Voilà. Vas-y, t'arrives très bien là, regarde. Et après, tu vas servir les gens, d'accord? Oh, j'ai vu, là. Baigner le labeur des paysans de France, mettre les moissons, faire que leur effort assure à tous nos frères le pain quotidien. Et s'il vient un jour à manquer en France, souviens-toi de ce jour où pour une foule immense, tu la multiplieras. Les définitions du Saint-Esprit, c'est quelque chose.
Donc ça a été cuit au feu de bois et c'est de la farine d'épeautre non hybridée dedans. Farine, c'est pas nous qui avons produit la farine, mais c'est de la farine d'épeautre non hybridée avec des graines. Ah, dites-moi, qu'est-ce qu'on trouve dans ce... Il est fait de quoi ce gâteau? C'est quoi comme gâteau? Il y a des framboises, ouais. Du pêche sanguin, de la pêche sanguine. D'accord. De la pêche sanguine. Voilà, c'est ça. Ce sont des fruits du jardin? Ce sont les fruits du jardin. Avec la crème. Et non, attends, il y a un poulet. Il y a un poulet à la fraise. Ah, il est sur le frigo. Il y a coulis à la fraise qui arrive. Voilà. Nous allons nous lever pour les grâces. C'est plus difficile de se lever que de se mettre assis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ce qui est. Pour ce repas, pour toutes les choix, nous voulons, Seigneur. Père et du Fils et du Saint-Esprit, merci, c'est ce qui est. Alors, nous vendons des produits de notre exploitation. En l'occurrence, des compotes de pommes, catapultiennes aux pommes du verger, jus de pomme. Voilà. Donc, en fait, c'est de la purée de pomme, exactement. Donc, c'est juste du fruit pressé. D'accord. Voilà. Et puis, du jus de pomme en agriculture biologique. Voilà, exactement. Et puis, là, on n'a pas tous les produits. On a évidemment les fruits, frais. On n'a pas amené aujourd'hui parce que. Monseigneur, comme ça. Très bien. Et puis on fait un peu tous les fruits, hein, de cerises, pêches, abricots, prunes, poires, pommes, voilà. Pour avoir des fruits à peu près toute l'année. Montrer, voilà, ça peut être aussi un exemple de retour à la terre que j'ai opéré il y a quelques années en voulant créer une entreprise agricole, une petite exploitation. Bien, c'est positif, très intéressant. Les ateliers, ce que font la famille, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Nous, on est dans un autre contexte, mais ça peut motiver certains à passer le pas et à se dire oui, c'est possible de revenir à la terre et d'en vivre modestement, mais sûrement. Donc, belle initiative. Et puis voilà, bonne ambiance. Ouais. Chaleureuse. Donc on va grouper parce que comme on a pris un peu de retard, on va faire d'abord le potager. Le potager, donc avec mon épouse, et les plantes médicinales dans la foulée. Donc rendez-vous ici, vous allez suivre mon épouse. Et est-ce que tu pourras parler avec ça ou... Non. Sinon, il va falloir que... Oui, donc je fasse le micro à mon épouse. Il faut que tu parles près du micro. Pas y arriver. Attention de ne pas le mettre trop. Donc voilà, on va aller au potager.
qui fait partie de la, voilà, permaculture, c'est un grand mot maintenant. Je pense que tout paysan autrefois était dans la permaculture. Voilà, c'est juste, c'est, je pense que ça vient d'Australie pour donner un peu un élan nouveau à ce type de culture. Ça veut dire que tout est utilisé. Il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets dans la permaculture. Et surtout aussi, on se contente de ce que nous avons, de ce qu'on a. Donc, on ne va pas commencer à acheter des terres et des terres et des terres et ne plus savoir quoi en faire. Comme on voit maintenant, malheureusement, souvent, les balles de foin qui traînent dans les prés, voilà, et qui, malheureusement, s'abîment dans les prés. Et c'est dommage parce qu'ils pourraient bien servir à quelqu'un d'autre ou à des animaux qui en ont vraiment besoin. Et donc, c'est très triste, hein, ce qui se passe. Alors, la permaculture, c'est un aperçu comme on a besoin. Ce n'est pas maintenant, on fait la permaculture comme ci ou comme ça, parce que je n'ai pas assez de connaissances pour le faire. Mais je vous dis, voilà, on a une approche de cette culture-là. Donc, de bien respecter déjà le sol, respecter l'animal. Ça veut dire que les besoins, couvrir les besoins de l'animal dans la mesure où de place, d'espace, de bonne alimentation, et de caresses aussi. Voilà, ça c'est, je pense, que très important, parce qu'un animal ne peut donner que du bon lait ou de la bonne viande ou être docile lorsqu'on prend du temps et que lorsqu'on les aime vraiment profondément. Je veux dire, voilà, c'est pas dans une idolâtrie de l'animal, mais c'est-à-dire lui donner la juste place qu'il a. C'est une créature qui a été créée pour nous, pour l'homme. Et donc, la moindre des choses, c'est qu'on la respecte et qu'on en prenne soin. Voilà, hein, c'est ça. Donc, voilà, si vous voulez bien me suivre, voilà. Vous avez ici le carré, ce que j'appelle un peu médicinal méditerranéen. Donc, vous avez le figuier qui se plaît contre un mur dans nos régions. Hein. Les plantes sont donc un peu contre le mur. On va mettre un abri pour le vent maintenant en moyenne saison. Vous avez un autre figuier qui est en pot qui attend d'être mis en place, que je vais mettre dans un coin aussi un peu chaud. Vous avez ici le thym. Vous avez du romarin. Vous avez au fond du fenouil. Ici, vous avez l'hysope, un peu peut-être moins connu. Vous avez la sauge. Vous avez plus loin de ce des herbes, des petites herbes aux grandes feuilles. Si vous voulez venir par là, oui, je ne suis pas gentille. Hein. Voilà, vous avez, ça c'est des fleurs, plus ou moins, parce que j'ai mis des fleurs. Il y a une petite chamomille qui a mal supporté, on ne la voit pas, qui a mal supporté la sécheresse, qui, voilà. Au fond, voilà, ça c'est la permaculture. Il y a une plante qui a décidé de se mettre là. Je l'ai laissé courir, ce sont des tomates. Bon, elles se plaisent là où elles sont, je les ai laissées. Ça, ce sont des marguerites à nouveau comme ornementation, ornement. Et vous avez ici ce qu'on appelle la mauve mauritanienne. La mauve mauritanienne, elle est couleur mauve, voilà, c'est ça. Elle est tout ce qui est officinalis mauritanienne, tout ce qui est pour la toux, pour surtout une toux de, vous savez, qui ne produit pas assez de glaire, qui vous ennuie, qui vous empêche de dormir, etc. Donc elle est très bonne. Je cueille des fleurs et vous mettez une bonne cuillère avec cette plante-là, infusion. Vous avez ici de l'origan. C'est une variété très épicée. Mais ça, c'est aussi pour la toux, mais c'est plutôt pour une toux un peu grasse qui vient des bronches. Et ça vous dégage bien les bronches. Et en plus, c'est très agréable parce que vous avez un peu ce senteur épicé qui vous chauffe. Ah, c'est chauffant en même temps, donc c'est très agréable. Ça c'est ça ce que j'ai dans ce carré qui est tout jeune. Et donc le figuier, il produit des fruits, mais je ne pense pas qu'on puisse les cueillir cette année. Ils sont arrivés.
Bah, je ne sais pas s'ils vont encore grossir suffisamment, parce qu'il avait besoin de s'enraciner un peu d'abord. Je l'ai mis en place, je pense, en février. Donc, voilà, il a commencé à fructifier un peu tardivement. Donc, c'est pour ça aussi les fouets un peu tard. Mais il a l'air de se faire oui. beaucoup, parce que c'est une plante de cette année. Voilà. Il est, non, un figuier ne se crève pas. Ne se crève pas. Ça, c'est la particularité du figuier. Et donc, voilà, je me faufile un chemin ici. Vous avez vu tout à l'heure, on ne veut pas retourner là, quand j'étais avec le cheval. Vous avez vu toute une rangée d'arbres fruitiers. Donc, ça en fait partie. Sous les arbres, ils sont jeunes. Sous les arbres, j'ai l'herbe un peu poussée. Je mets des orties pour bien les nourrir. Et sous le premier, je ne sais pas si vous avez vu, il y a la bourrache. La bourrache, ça nourrit le sol, ça ameublit le sol. Et j'ai mis en plus une coureuse, une appelle, une sorte de courge. Et tout ça, ça a poussé autour. Et on voudrait que sous tous ces arbres maintenant, il y a donc ça continue à faire les graines. Et voilà. Pour ce faire, donc on va un peu, pas forcément dénuder la terre. On va pas commencer à gratter, mais on va enlever un peu les mauvaises herbes autour. On va mulcher, mettre un peu de terre, du bon compost. Et sur ce compost, on va ressemer. Un peu. Et au fur et à mesure, ça va faire une sorte de prairie nourrissante, une prairie nourrissante autour des arbres fruitiers. Voilà, c'est un peu notre but. Vous pouvez aussi prendre du calendula, donc des soucis, etc. Donc, nourrissant autour de ces arbres fruitiers, des jeunes qui aiment bien avoir un peu le sol couvert. Là, il est un peu couvert d'herbe parce qu'on n'a pas suivi tout le temps, mais je couvre beaucoup avec les orties. Et on voit très bien, le sol est déjà à nouveau, il mange. Donc le sol mange en fait quelque sorte les orties, déjà englouti pour ainsi dire, et puis ça nourrit bien les arbres fruitiers. Alors, donc, on va là. Si vous voulez vous tenir la porte les unes après les autres. Voilà. Sachant que quand tu es arrivé, le jardin il a 5 ans en fait. En quelque sorte, parce qu'on est arrivé il y a 6 ans. Et tout était en friche. Vous imaginez, maman, tout était en friche. Et nous avons au fur et à mesure aménagé. Alors là, on a mis un lit de fumier compost. Et j'ai fait les plantes qui mangent, qui aiment beaucoup les nutriments. Et qui ont peuplé ce coin-là avec donc des butternuts de différentes variétés. Vous avez ici une butternut un peu verte, vous avez une variété angloise, vous avez le petit patidou qui est très doux, qui a un goût de noisette. Oui, le patidou, oui. Et vous avez, il y en a plusieurs qui courent. Après, il y a les courgettes qui sont en fin de cycle de croissance, qui ont fait des énormes courgettes. Et tout ça, ça va pousser. Et normalement, maintenant, on va aller récolter tous les fruits. Et cette herbe-là, on va la repartir. En désherbant un peu autour et la repartir là ici sur la butte. Donc on va laisser, parce que tout ce qu'on a pris du sol, on va lui donner. Donc voilà, les aliments, tout ce qu'ils ont pris, ils ont mis dans la feuille, dans le fruit. On va remettre ça dessus, on va couvrir avec pour l'hiver. Et on va les laisser tel quel, tout en désherbant après un peu autour, parce que sinon, ça va quand même prendre. Mais l'année prochaine, ça repoussera, là. Et qu'est-ce qui va repousser? Ben, puisque vous laissez tout ce qui est vous les récupérez, mais après, vous remettez à nouveau sur. Oui, mais on ne met pas les graines, rien du tout. Ah, d'accord. Les feuilles vont rester dessous, et les fruits, et les tiges, et tout ça, va nourrir le sol. Voilà, on va essayer de ne pas laisser nu le sol en hiver. Donc, tu sais, ces petites bêtes qui sont dans la terre, ils puissent bien se nourrir et rester bien au chaud sous une couverture végétale. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Après, vous remettez des graines ou est-ce que vous laissez des fruits pourrir pour... Non, pas du tout. On va récolter les fruits. On va laisser uniquement le feuillage. Voilà. Et ensuite, on va couvrir.
On récolte bien sûr les graines pour nous, pour ressemer, mais on ne va pas les ressemer bien sûr. Non, pas au même endroit. On va ressemer au même endroit. Ah, si. Hein? Ici, on va faire, ça sera encore très riche, donc on va essayer de l'année prochaine. On pense mettre ici des tournesols et des tomates, par exemple, et des aubergines. La tomate ici, et ici peut-être des tournesols. Voyez-vous un peu vous faites la rotation. Voilà, la rotation et en même temps voir un peu l'exposition parce qu'on a cette herbe-là, on a la haie, etc., qui fait un peu d'ombre. Mmh. Mais en plein l'été, tout est au soleil. Oui, je peux poser une question. Le feuillage dont vous parlez, en fait, vous allez l'enlever avant qu'il jaunisse parce que là, ça arrive, on est au sommet d'automne aujourd'hui. Donc, du coup, les feuilles vont jaunir et c'est pas ces feuilles-là que vous allez mettre. Si, on va laisser toutes ces feuilles-là. Ah oui, mais celles qui sont déjà sèches. Même celles qui sont sèches, on va tout laisser. On peut aussi même couvrir, il y a des personnes que... Les feuilles. Exactement, les feuilles. Il y en a qui ont un petit bois, oui. Et puis ils couvrent de feuilles. Oui. Il faut éviter le chêne. Oui, les feuilles du chêne. Le hêtre. Oui. Parce qu'ils ont beaucoup de tanins. Et le tanin, pour le sol, ce n'est pas sympathique. Voilà, ensuite, derrière monsieur, il y a donc de la rhubarbe. La rhubarbe, elle n'est plus recoltée parce que cette saison, elle commence à être vraiment très acide. Donc, elle a poussé jusque maintenant, mais on peut cueillir, mettons, jusqu'à juillet, ou c'est pas plus. Hein, parce qu'elle devient, au fur et à mesure, elle se charge de plus en plus d'acide. Voilà. Derrière, vous voyez... donc, vous avez une rangée de framboises, les framboisiers qui grimpent là au-dessus. Les framboises, je les couvre aussi, toujours couvrir, avec, bon, je vous expliquerai avec une partie du compost. Vous avez ici des groseilles qui sont un peu envahies. Voilà, je suis désolée, hein, comme je disais. Il y a la groseille, vous avez plusieurs groseilles, et là, une plante très importante, c'est. La consoude. Ah, la consoude. Ah, ça, c'est très beau pour les maladies de la goutte. Voilà, la consoude. Alors, la maladie, voilà, vous utilisez, pour cela, vous utilisez les racines qu'on fait macérer dans de l'alcool. Là, la feuille et tout ça, j'utilise en purin. En purin, je vais vous montrer comment je fais là-bas. En purin, c'est plus efficace encore que l'ortie. Oui. Au niveau engrais, c'est époustouflant comment poussent les plantes avec le purin que vous mettez deux fois par semaine, très dilué. Je préfère le donner plusieurs fois au lieu de donner une bonne dose. Et donc là, le purin là-bas, ça c'est purin. Ou bien, je couvre le compost qui est là-bas, le compost fin. Je couvre de feuilles de consoude et je mets feuilles de consoude, après, hop, on recharge en compost, et feuilles de consoude, etc. Ça nourrit très très bien les sols, et ça couvre aussi bien parce qu'elles sont grosses. Elles sont grosses, ces feuilles. Donc là, c'est agréable. À côté, vous avez, je vais faire circuler, parce qu'elle est fraîche, c'est de la mélisse. La mélisse, oui, la mélisse citronnelle, vous faites peut-être circuler. La mélisse citronnelle, j'en ai pas de la fraîche. Je vais vous donner ça tout à l'heure. Je vais en cueillir pour vous donner tout à l'heure. Voilà, la mélisse, c'est excellent pour le sommeil. Ceci dit, ces derniers temps, je crois que j'aurais pu donner des tonnes de mélisse, ça n'a pas fonctionné. Parce que mais normalement, c'est très bon aussi pour le cœur, pour le système nerveux. Voilà. Et là, vous avez... L'absinthe. Alors, vous pouvez vous apercevoir de la... Ah oui, Macron, la seule chose qu'il a fait bien, c'est que maintenant, il a autorisé qu'on en repousse. Avant que c'est pas vous faites passer aussi, c'est très amer. C'est une drogue amère. Excellent, vitalisant. Ouais, bah oui. Et quand vous avez mal à l'estomac, vous prenez l'absinthe, ou le ventre. Normalement, ça part très vite. C'est crampes. Après, vous êtes un peu dérangé, vous prenez un peu d'absinthe. Normalement, ça, vraiment, c'est excellent. Des crampes. En tisane, oui. Mais je vais vous faire déguster tout à l'heure l'élixir d'absinthe.
Alors, moi, je ne les ai pas mis avec l'arbre fruitier, mais je les ai mis avec les framboises et ça donne d'excellents résultats. En revanche, vous avez raison, l'absinthe n'aime pas, je ne mettrai pas l'absinthe au milieu de mes courgettes parce que c'est pas tellement un bon voisin. Mais pour les arbres fruitiers ou bien pour les petits fruits, c'est excellent, j'en ai fait l'expérience. Ouais. À côté d'un figuier que vous avez parlé tout à l'heure, c'est bon? Je n'ai pas encore testé, mais ça peut aller. Enfin, je vous essayais. Comme j'ai dit, je parle de ce que j'ai fait comme expérience. Je vous dis, à côté des petits fruits, c'est très bien. J'imagine à côté d'un fruitier, ça devrait marcher aussi. Mais petits fruits, c'est excellent. Donc, derrière les abeilles, mais on les verra plus tard. Ah, on peut passer par là. Ça ne me dérange pas. Encore des framboises. Encore des framboises, vous pouvez déguster. Hein. Ben, après, s'il n'y en a plus, ben, pour les derniers, il y en aura plus. Alors, donc là, les framboises, pareil, vous voyez, il y a toujours une couverture végétale dessous pour ne pas les laisser nus. Pardon. Pour ne pas les laisser nus, les racines, parce que le framboisier a des racines très, pas très profondes. Et si vous ne les couvrez pas, vous avez beau arroser. Quand il fait très chaud, vous n'y arriverez pas. Enfin, moi, en tout cas, je n'y arrive pas. Donc, il faut vraiment couvrir et arroser, oui. Mais seulement arroser ou seulement couverture, ça ne fonctionne pas. Donc, couverture plus un peu d'arrosage et ça vous donne des merveilleux. Ça remonte, c'est la deuxième récolte. Là aussi, c'est la deuxième récolte. J'en ai eu une au mois de juin. Et là, maintenant, c'est la deuxième, maintenant, au mois août-septembre. Voilà. Voilà. Ça dépend complètement. Alors, en plein été, pour dire, avec couverture, avec ces chaleurs que j'ai eues, j'arrose deux à trois fois les framboisiers par semaine. Voilà. Avec les grosses chaleurs et la couverture. Mais, à mon avis, c'est un minimum, parce que dès que le framboisier va commencer à souffrir, vous avez les fruits qui vont sécher et qui vous donneront plus le même goût, la même qualité. Voilà. Hein? C'est ça. Et voilà, vous avez la fameuse ortie qui pousse partout chez nous. Elle s'introduit, j'ai beau l'enlever. Donc le mieux, c'est de l'arracher et de la remettre au sol. Mais essayez de l'arracher et puis de la mettre par terre autour. Et pour que ce soit plus joli que c'est ça, vous couvrez encore le sol avec de la paille et ça fait un peu plus net. Voilà. En hiver, vous coupez les framboises? Pardon? En hiver, vous coupez les framboises? En hiver, alors moi, je les taille en fin d'hiver. Donc, je les laisse hiberner un peu comme ça, tels qu'ils sont là, les plants. Et je les taille à peu près au mois de février. Alors. Ceux-là, on les taille relativement courts. Les grands que vous voyez là grimper, vous les coupez à moitié, pas plus. Vous leur laissez parce que sinon, ils vont l'année prochaine vous mettre des fruits trop tardivement. Vous aurez des fruits au mois d'août ou juillet, vous n'aurez une récolte. Alors que si vous les taillez un peu moins, vous aurez deux récoltes. Donc ceux-là, les grandes là qui grimpent un peu moins, ceux-là vous pouvez les couper un peu plus. Voilà. Ça veut dire normalement on dit deux tiers. Aux deux tiers. Et là vous coupez. Bon, c'est proportionnel hein, avec la moitié. Hein. Voilà. Vous avez un fil, vous avez par exemple là le troisième fil, vous le coupez au deuxième fil. Voyez-vous, tout ce qui dépasse un petit peu de ça qui est un peu trop exubérant, vous le coupez. Voilà, enfin, vous le coupez. Moi, je le coupe. Voilà, c'est pour vous dire comment on fait, nous. Alors ici, ça, c'est une curieuse plante énorme. C'est de l'alain. Alain. C'est de l'alain qu'on utilise pour... Fixer les tissus. Pour fixer le tissu, exactement. Quand on colore les tissus avec les plantes, comme fixatif, on prend ça, mais Jésus aussi. Donc c'est quand même bon aussi pour nous, mais je ne sais pas, j'ai pas fait l'expérience.
Et si vous voulez avoir des hortensias bleues, qui restent bleues, vous leur mettez de l'ala. Voilà, une décoction, vous faites une décoction de l'ala, vous les arrosez une fois par semaine avec l'ala, et normalement, ils restent bleus. Voilà, les hortensias bleues, quand on veut les avoir bleus, on fait ça avec l'ala. Donc, plante précieuse et très jolie. Hein, normalement, elle est en floral, elle apparaît au mois d'août, et puis c'est 2 mètres, hein, c'est splendide, hein, c'est comme ça. Et la fleur, elle est bleue, c'est ça? Jaune. Ah, jaune. Jaune. La fleur est jaune. Oui. Avec une feuille, on peut stabiliser une jupe teintée? Ah, je ne sais. J'ai pas fait encore l'expérience. Je suis à la, je carde la laine, etc. Je vais commencer à la filer. Mais je n'ai pas encore d'expérience avec la teinture ou teindre le tissu. Je n'ai pas encore. C'est pour fixer, en fait. Voilà. Oui. Non, mais elle dit aussi qu'on peut colorer. C'est l'hortensia, elle a parlé d'hortensia. Ça marche, je crois. Oui, moi j'ai entendu que ça. Je teins ma jupe. Un petit verger derrière, on s'est étalé. Ça revient beige comme la jupe. Non, ce n'est pas toxique. Alors je vais, voilà, je vous invite juste à venir là. Attention, le fil est électrique. Le fil est électrique là, qui est, voilà. Ah non, ça... on me rassure, ça marche pas. Alors, tout simplement pour vous montrer, alors on a créé cette mare qui est un peu basse maintenant, mais il y a toujours un peu d'eau dedans. Ça apporte de l'humidité un peu à l'ensemble. Ça, il y a parfois des canards sauvages. Une course de... Ils sont heureux de nous voir, hein, je crois. Oui, là, il y a un mâle avec sa compagne, voilà, qui a eu peur. Donc voilà, la mare. Et intéressant qu'on vous mette, par exemple, là, j'ai les mirabelliers. Alors, ce mirabellier, il est un peu loin de la mare. Maintenant, on le voit presque. Regardez, il sèche un peu plus rapidement que celui qui est près de la mare. Parce que lui, carrément dans la mare, mais très bien. Tout ce qui est mirabelle, prunier, tout ça, vous mettez près d'un beau, c'est magnifique. Voilà. Après, bon, on a quelques. C'est tous des jeunes arbres, là aussi, là, c'est des pommiers. C'est vous qui l'avez fait la mare? Oui, oui, on l'a. Juste on a. Vous avez mis en fond. On a essayé de mettre le plus d'argile possible qui était là, mais elle n'est pas complètement étanche, je vous le dis. Et vous l'avez fait de quelle profondeur, en fait? Ah, elle a différentes profondeurs. Elle est fait à peu près, elle est très profonde. Elle fait 3 mètres, au moins. Ah ouais, 3 mètres 50. Hein? Au milieu. Ça, ça devait être pour des canards. Mais les canards, finalement, on les a logés ailleurs. Donc, voilà, ils sont dans une autre mare. Et là, un reste, voilà. Et là, ici, j'ai couvert parce que j'avais des salades. J'avais d'abord les radis, ensuite des salades. Après, j'ai des poireaux. Et maintenant, j'ai tout recoté et je laissais ça comme ça et j'ai couvert. Et pourquoi vous avez fait un carré, là? Enfin, un rectangle, enfin, je veux dire, délimité l'espace. Alors, je vous explique. Parce que on a fait tout ce qu'on appelle ici la couche chaude. Ouais. Ça veut dire qu'on a accumulé du fumier de cheval à peu près ça, cette hauteur. Wow. Ça, cette hauteur. Et on l'a fixé un peu avec les, voilà, comme ça, les arceaux au départ. Et, qui sont après plus haut. Et par-dessus, je mets mes pots de tomates pour les faire germer. C'est-à-dire, mes graines de tomates, toutes les tomates, elles sont très rustiques parce qu'elles ne sont pas à l'intérieur. Elles poussent dès la semence, dès le semis, à l'extérieur, avec une bâche par-dessus qu'on met justement par-dessus ces arceaux. Vous imaginez, tout ça, c'est descendu, bien sûr. Hein? Oui, oui. Mais c'était haut comme ça. Et vous mettez les arceaux avec une bâche par-dessus. Vous mettez un chauffage au sol pour toutes ces plantes, tomates, même les aubergines et tout cela. Ils germent. Vous aérez quand il fait très très chaud parce que ça peut brûler. Hein? C'est vraiment... On a eu des températures, vous mettez ma main, c'est brûler la main, hein, au départ. Ça dure à peu près un mois. Après, ça diminue.
Alors, ou on change d'endroit et on les met dans un autre endroit s'ils ont besoin encore un coup de pouce, s'il n'a pas fait très chaud, si la saison est un peu hasardeuse au printemps, voilà. Mais sinon, vraiment, les graines ont poussé dehors. Les graines, vous les mettez à partir de février ? Mars. Mars. Le chauffage ? Le chauffage et le sol. Le chauffage, c'est la fumigation. Oui, c'est le fumier. C'est la richesse de la terre. Et le sol. Bien sûr, il faut fermer. Hein. Il faut fermer. Oui, à l'aide d'une bâche avec les arceaux. Et après, les arceaux, si par exemple il fait froid, et qu'ils sont hauts, vous montez les arceaux. On a un système pour faire glisser, c'est-à-dire deux par et d'autre. La bâche. Pour juste ouvrir d'un côté ou de l'autre. Mais c'est juste glisser, hein. C'est pas, on a rien de. C'est juste, si vous voulez, là, on a des trous là, et on fixe des cordes. De part et d'autre en deux, on va les écarter comme ça, il y a un qui vient ici, une corde, l'autre ici, et donc ça nous permet avec le moyennant ce système, de faire glisser la bâche d'un côté ou de l'autre. Les cordes elles tiennent comment? Parce que quand c'est mousse, donc il faut une armature. Oui, mais elles sont tendues avec des liens, on a des clous, là on n'en a plus. Et on les cloute en fait, et ça glisse, c'est-à-dire c'est tendu d'un côté et de l'autre. Oui, mais c'est pas des arceaux. Non, mais les arceaux, vous en avez, non, c'est pas sur les arceaux, hein, je me suis peut-être mal exprimée, c'est à côté, et les arceaux permettent de maintenir l'arrondi, pour ainsi dire, au-dessus des plantes. D'accord. Voilà. Et après, bien sûr, une fois ce fumier, alors là, on peut faire beaucoup d'erreurs, on en a fait. Donc, si vous dites après, oui, mon fumier, c'est bon, vous pouvez planter autre chose. Non, pas tout de suite. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre des tomates en mettant une bonne couche de compost ou de terre dessus pour qu'elles démarrent dans la terre et qu'après, au fur et à mesure que le fumier va agir, si vous voulez, elle va puiser dedans. Mais il faut pas mettre la petite plante tout de suite dans le fumier. Donc ça, c'est impossible. Ça brûle. C'est impossible. Et donc ça, c'est une erreur. L'autre erreur consisterait à dire, oui, mon fumier, il est prêt en fin d'année ou l'année prochaine. Non. Ça dépend des saisons. Il faut arroser. Si vous voulez que votre compost fonctionne, il faut qu'il soit humide. Parce que sinon, on met malheureusement un tas de... Je ne connais pas le nom de tous ces nuisibles, mais si vous laissez sécher votre compost, surtout du fumier, vous attirez automatiquement des nuisibles, et j'en ai eu, et ça vous mange les racines. C'est assez désastreux quand vous plantez, après vous dites « Ah, mon compost est prêt, j'ai mis deux lignes de betteraves ». Oh, les betteraves viennent très bien au départ, et après je me dis « Qu'est-ce qui m'arrive avec les betteraves ?» Mais au fur et à mesure, tout. Voilà. Et puis, je sors la betterave, bien sûr, elle est mangée par-dessous. Mmh. Et ça vient du fumier pas suffisamment composté parce qu'on n'a pas arrosé. J'utilise aussi ce qu'on appelle là maintenant, c'est très à la mode, les fameux EM. Donc, c'est les micro-organismes, des micro-organismes qu'on fait à base de ferments, qu'on laisse fermenter, etc. C'est à base de canne de sucre, etc. Ça fonctionne très, très bien. Donc, vous arrosez ça de temps en temps, votre compost, et voilà, vous aurez un compost au bout d'une année. Sinon, si vous n'avez pas les micro-organismes, il faut patienter bien 2-3 ans avant vraiment du bon compost, avec le fumier notamment. Donc, c'est pour ça, parfois, on préfère un peu l'engrais vert ou le compost uniquement végétal, parce que vous attirez, pour certaines plantes, moins de ces nuisibles. Le compost est bien, mais bien composté. Est-ce que c'est beaucoup moins fort, ouais. Ça s'appelle, il suffit de regarder sur Internet, électroculture, et c'est en pleine forêt. Les gens qui s'y intéressent, parce qu'il n'y a pas besoin d'engrais, ni de pesticides, ni d'insecticides. Ouais, aussi, là, bon, c'est un peu la fin de saison. Cette année, par exemple, on n'a pas eu de mildiou sur aucune plante, on a eu du mildiou. Donc, là, il a attrapé une sorte de maladie, comment on appelle ça, c'est pas fongicide, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est parce que il a eu trop sec
cette plante. En fait, il a fait trop sec. Et moi, j'étais pas là tout de suite avec mon arrosage. Et donc, elle me l'a fait savoir. Donc, voilà. Et qui nous a donné des pêches. Qui nous a donné des bonnes pêches cette année déjà aussi. Je l'ai planté il y a 2 ans. Voilà, il nous a planté. Là, au milieu, vous voyez déjà du fumier. Donc, on commence là, déjà maintenant à entasser. Voilà, c'est ça. Hein, pour qu'on puisse bien avoir soit hâter déjà du culture, mettre au-dessus des semis de salade, par exemple, pour le printemps. Hein, vous les mettez sous bâche, vous les laissez tout simplement, voilà, vous mettez dans des petits godets. Vous les, voilà, et vous les placez directement. Vous les placez directement sur ces couches, bien sûr qu'on aplatit au fur et à mesure. Hein. On aplatit, on met, oui, voilà. Et on aplatit exactement comme tu fais, parce que, effectivement, il faut un peu. C'est pas grave, mon chéri, c'est pas grave. Hein. Donc, moi, je fais pareil. Donc, quand vous mettez, au fur et à mesure, vous tassez. Donc, vous en mettez, parce que vous dites, ça y est, elle était haute comme ça, vous marchez dessus, il faut recommencer. Donc, faut quand même une bonne quantité de fumier. Non, mais c'était bien intéressant ces petites prunelles. J'avais envie de faire ça. Comme ça. Quand vous allez là-bas au laurier, vous cueillez des feuilles de laurier. Quand vous ferez des pâtes, vous allez mettre votre eau à bouillir, de l'eau salée. Vous mettez dedans des feuilles de laurier. Eh bien, le laurier va vous dégager une substance qui va vous immuniser contre le Covid et contre toutes les grippes dérivées du Covid. D'accord. Vous n'aurez jamais de Covid. Mettez du laurier partout. Laurier en latin, ça veut dire l'edum palustre. L'edum palustre, c'est la substance qui est utilisée dans tous les médicaments qui sont contre le paludisme et contre le Covid. Et voilà. Merci. Il est spécifique parce que je le mélange ici avec ce fameux compost EM. Il y a de EM dedans. Il y a le compostage que je fais aussi avec du charbon végétal. On approche un peu de ce qu'on appelle au Portugal de terra preta. Terra preta, c'est la terre pleine d'humus noir qui nourrit. En fait, ce qu'on veut obtenir, ce qu'on cherche aussi à obtenir, que vous n'avez qu'à mettre à chaque fois une nourriture en surface et que le sol, au fur et à mesure, devient de plus en plus riche, de plus en plus riche en profondeur et qu'il contienne tous les éléments dont chaque plante va pouvoir puiser. Donc, c'est ma preuve. Ça se met dessus. Là, j'ai encore un reste de carotte, là, au milieu. Et là, c'est les carottes. C'est grave. À côté, il y avait tout ça. Imaginez, tout avant, il y avait des salades. Pour le printemps, on a déjà un sac. Il faut avoir le temps de mettre cette année. Mélanger avec de la salade. C'est peut-être bon. Après, là, on va hacher. Là, j'ai un peu déjà mon péché. Et là, on va mettre des salades légères. Et éventuellement des pépinards. Là où vous êtes, il y a normalement de la mâche qui doit venir, mais la mâche est un peu capricieuse. Non, vous n'êtes pas encore dessus, madame. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes à côté. Voilà. Donc, il aime bien les céleris, il aime bien la bourgeonie. Les choux. Alors, vous avez des magnifiques choux. Si vous retournez, vous avez des belles, de bons choux de l'autre côté qui sont là-bas, ils sont énormes. Dans la serre, j'ai du brocoli qui fait encore des jets jusqu'à maintenant. Donc, vous avez des petits brocolis. Vous n'avez plus de gros brocolis, mais des petits brocolis. Et je l'ai mélangé avant dans la serre pour vous expliquer. J'avais fait des petits pois avec des salades. Attends qu'elle ne mange pas. Ça, c'est de la main. C'est un antiviral très puissant. C'est ça qu'on a utilisé. Oui, juste des cerveaux.
Qu'est-ce qu'on a comme parfum de gâteau là? Je sais pas, c'est pas moi qui ai dit. Ah, vous savez pas? Si, ça fait doit être framboise. Là, c'est un fruit à la framboise aussi. Ça, c'est un cranuleur. Je sais pas, on dirait des prunes. Tu sais ce que c'est ou pas, Jean? Là, ils vont rien. Prune. Prunes, voilà. Prunes, ça aussi. Ça, c'est le prune. Ça, c'est framboise. Oui, mais c'est quoi? C'est quoi? Ça s'appelle comment? Enfin, un framboisier. Un framboisier. Et un roulé, la fois. Il est roulé. Ou framboise, pareil. Parce qu'à un moment, on a eu un tête de framboise et du coup. Allez. Mille-pertuis. Mille-pertuis, là, j'ai comme ça. Mille-pertuis, c'est excellent pour la contre les dépressions. Ça vous apporte le soleil dans le cœur. Comme vous savez, voilà, je vends. Mais c'est extraordinaire. Au bout de deux jours, vous le sentez. L'insérer dans de l'huile au soleil pendant quatre semaines. Vous étudiez, vous décantez, voilà, vous pressez un peu le jus, et ça vous plaît. Le mille-pertuis, il est aussi un peu plus efficace que le camomille, si ça va avec les contusions. Il y en a aussi qui font de la baume, en fait, ou du baume, pardon. Je ne trompe pas faire l'article. Voilà, mais moi je fais que lui parce que c'est un peu compliqué. Alors là, c'est de l'huile d'olive, première pression, ça marche très bien. Vous avez de l'huile d'amande. Et vous avez de l'huile de... Là, j'avais un flacon qui m'a été offert, je ne sais pas, de l'huile de bourrache. Ben, j'ai aussi un peu d'huile de bourrache. Non. La bourrache, c'est importante. Hein. C'est la petite fleur étoilée que vous avez vue. Alors là, j'ai les liqueurs. Prenez-y, si vous voulez. Oui, je vais vous le passer. Vous me dites si c'est l'absinthe ou le persil. Oui, d'accord. Oui, mais à droite, vraiment, prenez-y. Hein. Non. Oui, pas. Non. Peut-être l'absinthe. Oui, vous voulez vous voulez déguster sentir. Alors, c'est du vin. Alors, le persil, c'est excellent pour le cœur. Quand vous êtes un peu nerveux, etc., vous avez besoin d'une cure de cœur, vous avez tachycardie, etc., vous prenez, avant le repas, un petit liqueur de 40 ml et le soir, encore avant de dormir. L'absinthe est un fortifiant durant l'été. C'est Saint-Dégard qui disait ça, ça fortifie l'organisme, ça nettoie, c'est pour les poumons, pour les reins, pour le cœur, etc. Donc attention, c'est très fort. C'est très fort pour l'organisme. Qu'est-ce que vous prenez comme vin ou comme vin, du vin rouge et du vin blanc. Là, oui, voilà. Vous utilisez l'absinthe. C'est l'absinthe. Vous utilisez pour un litre de vin seulement 40 ml d'absinthe. Ah oui, voilà. Ça, avec un peu de miel. Et pour le bouillir, il ne faut pas bouillir. Vous faites bouillir le miel avec le vin. Vous ajoutez le jus de d'absinthe. Et c'est fini. Et après, vous mélangez et c'est fini. On va passer aux brebis, s'il vous plaît. Il n'y a pas de vache à traire. Pas celle-là. Il y en a d'autres qui sont sortis. Alors, faites les enfants, on enlève là.
Les enfants, vous pouvez vous par là. Vous allez rester ici, aussi loin que ça. Jean, tu peux aller les chercher, le temps que tu ailles les chercher. Alors, venez jusqu'ici, restez là, venez là les enfants, parce que sinon les brebis ne passeront pas. Alors les brebis, on les a depuis 2 ans. Un peu plus de 2 ans, on a créé notre troupeau. Il nous sert à produire du lait. Donc on produit du lait avec quelques mères. On est en train d'augmenter la quantité. Donc cette année, on avait 4 mères qui donnaient. L'an prochain, on en aura 7. On ne veut pas produire plus parce que c'est pour nous, véritablement. Voilà. Et avec ça, on fait tous les produits laitiers. À peu près tous les produits laitiers, c'est-à-dire qu'on fait du lait, bien entendu, on peut faire du lait pasteurisé, du lait stérilisé, ça on peut en faire, hein. Ça dépend de la température. Pasteurisé c'est 85 degrés, stérilisé c'est à 100. On peut faire ensuite de la crème, donc on a une écrémeuse. On peut faire du fromage, ce que vous avez mangé là c'est du fromage au lait cru. Hein, voilà, donc on fait du fromage au lait cru. Ma femme fait de la feta, donc on a une recette pour faire de la feta, c'est excellent avec les tomates, mais là on n'en avait plus assez, donc c'était ou fromage ou feta, on a décidé que ça c'est fromage. Voilà. Donc on fait de la feta aussi, excellent pendant l'été, et puis on fait du fromage blanc, on fait du yaourt, donc, vous voyez ça fait beaucoup de produits laitiers. Voilà. Et quand on a la possibilité, quand on a assez de lait, on fait du fromage à pâte dure. Mais ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que c'est très cher le fromage à pâte dure, parce que ça demande énormément de travail. C'est pas un travail long, mais c'est un travail répétitif. C'est-à-dire que ça dure des fois 5 minutes ou 30 secondes, mais il faut absolument le faire à l'heure. Et par exemple, toutes les demi-heures ou toutes les heures. Donc vous ne pouvez pas partir, vous êtes obligé de rester là près de votre fromage à faire autre chose. Et ensuite, vous vous occupez du fromage. Donc le fromage à pâte dure, c'est long, notamment au départ, durant les 3 à 4 premiers jours. Bon, il faut savoir qu'elle ne rentre pas à leur heure, donc ils ne sont pas habitués. Donc vous savez, c'est nouveau. Ça arrive avec les habitudes. Donc quand si ça sort des habitudes, ils ne comprennent pas. Après, ils ne comprennent pas, ben, ça prendra un peu plus de temps pour les rentrer. Bon, pardon. Alors les fers, oui. J'ai fait cuire à la main. Donc c'est le matin et le soir. Là, je vais arrêter. Pour vous, ce soir, peut-être je vais l'après du soir, comme ça je vous montrerai comment ça marche. Et je vais, à partir de demain, je vais commencer à les tarir. J'en ai plus que 2 qui donnent sur les 4. Donc on donne plus beaucoup de lait. Et là, on va les tarir pour les mettre au bélier. Donc vous avez vu le jeune bélier tout à l'heure, là, quand vous étiez au potager avec ma femme. Là. On a un jeune bélier qu'on a acheté d'un an et demi. Voilà, a priori, ça va. On va le faire. Et on va le mettre d'ici, je ne sais pas, 15 jours avec les brebis. Donc il va rester environ 3 mois, 4 mois avec les brebis. Et bien, quand elles seront toutes pleines, à ce moment-là, on les resépare. Ah, donc le bélier, il a une vie 20 grades, mais c'est comme ça. Alors on lui laisse toujours une brebis d'accompagnement. Donc il a une brebis d'amusement, on va dire ça comme ça. Qui lui tient compagnie. Parce que sinon, s'il est tout seul, c'est sûr, il risque de casser les barrières. Donc il vaut mieux le laisser avec quelqu'un. Ça au moins, il s'amuse avec, c'est très bien. Il a une compagnie, si vous voulez. Et puis ensuite, les autres, on les laisse faire leur gestation tout seul. Voilà. Ah, on arrive. Je vais arrêter de parler. En fait, elles n'ont pas l'habitude, elles sont tout le temps seules avec moi, donc il n'y a personne ici, non pas bien. Je vais vous dire, peut-être. Hein. Ouais, un petit peu, ça suit, vous allez voir, les boutons, ça suit. Donc, voilà. Tous les 6 mois. C'est une race que je tonds tous les 6 mois.
Alors là, pour l'instant, il y en a trois. Il va peut-être aller venir chercher le reste. Moi, en revanche, je tonds. Alors, je tonds pas. Qu'on appelle ça à la cisaille, mais je tonds au ciseau. J'ai des ciseaux spéciaux et j'arrive à tondre une brebis en 40 minutes au ciseau. Non, c'est des ciseaux plus gros. C'est des ciseaux, oui. Mais la longueur du ciseau, c'est 20 cm quasiment. Enfin, 20 cm, la partie coupante. Hein. Voilà. Non, je les attache. Je les attache et puis avec mon fils, on les met sur une table pour travailler plus facilement. Comme ça, on peut les retourner. Enfin bref, j'aime pas trop ça, mais bon, c'est comme ça. Voilà. J'ai appris sur le temps. Voilà. Au fur et à mesure, des bouquins, des vidéos, tout ça, oui. Ouais, ouais. Des bouquins, des vidéos, tout ça. Là, je vais les tendre. On va les tendre là bientôt, là, pour les préparer pour l'hiver, juste après vous. La seule chose, c'est que la laine d'hiver est plus sale que la laine d'été. Donc là, c'est la bonne laine, on va dire ça comme ça. Et la laine d'hiver est un peu plus sale quand même. Voilà. Ouais, mais ça pousse très rapidement. Et donc, il y a un loup qui se balade et il y a un voisin qui s'est fait manger 14 brebis. Il faut être honnête, moi, on apprend double protection. Je préfère les rentrer tous les soirs. Déjà, d'une, elles sont un peu plus sociables. Et deux, j'ai le chien qui dort dedans. Il dort là. Donc voilà, ça dissuade de l'autre de venir. Et je l'ai considéré comme chien professionnel. Donc voilà, c'est tout quoi. Je l'ai pas déclaré, enfin je l'ai déclaré normalement, hein, je veux dire, mais par exemple, quand je lui achète des croquettes et tout ça, je le compte dans l'entreprise. Hein. Tout. Oui, là, oui, tout ça, oui, oui. Ouais, les sabots, oui. Enfin, il faudrait qu'on le fasse là d'ailleurs, qu'on le fasse. En fait, on le fait en même temps que la. En fait, le 6 mois, tous les 6 mois. Avec la tonte. On rentre à la maison. Alors, qu'est-ce qu'elle mange? Oui, bonne question. Elle mange principalement du foin. Dans l'ordre, on fait du foin bien vert. Et tout là-haut, là-haut, vous avez 1000 balles environ. Il y a 10 tonnes de foin. Donc, on fait du foin bien vert. Et elle mange l'herbe du pré, bien entendu, pendant la journée. Ils n'arrivent pas? Bon, alors on va reculer tous. Elles ont peur de nous. On va reculer. Hop. On va tous se mettre là-bas. Comme ça, au moins, vous allez voir. Voilà, si vous voulez que le brebis rentre. Il n'y en a qu'une. Un centre de chut. Il suffisait de me demander gentiment. Ah, oh, il est beau, qu'est-ce qu'il est beau, hein. Vous pouvez rentrer et Jean va pouvoir vous présenter les brebis. Je pense que vous allez rentrer. Ah oui, c'est bon, je suis désolé, j'ai pas d'électricité dans ce bâtiment parce que cette nuit j'ai malheureusement le câble qui est au-dessus là qui est cassé. Donc j'ai de l'eau qui est rentrée entre une phase et un autre et donc j'ai plus d'électricité correcte, j'ai des ampères qui sautent en permanence. Donc le bâtiment, malheureusement, est éclairé. C'est bon? Allez, on peut enlever la dalle. Hop. Allez-y. Voilà, donc je suis désolé pour la lumière qui est pas géniale, mais je peux pas faire autrement. Voilà donc les râteliers, enfin la bergerie qui est fabriquée, parce qu'avant il y avait des vaches à l'intérieur. Et donc d'un côté, vous avez là, c'est les mères qui grosso modo produisent, et les deux qui sont de l'autre côté, ce sont des comment ça s'appelle ? Elles sont moitié Manec, moitié Tonne et Martode. En fait, elles sont le bélier était Tonne et Martode, et les mères étaient les deux qui sont là, les Manec, les deux qui sont de l'autre côté là-bas. Donc en plus, elles sont vraiment très belles parce qu'elles sont hautes et en plus elles sont vraiment elles sont bien fournies. Voilà.
Donc, ce que je leur donne à manger, on m'a posé la question, ben, principalement du foin vert. Alors, le foin vert, qu'est-ce que c'est? C'est le premier foin qu'on peut faire dès qu'il fait beau. En fait, même, il n'y a même pas la fleur, des fois. Et on le fait tout de suite pour qu'il y ait tous les minéraux et, on va dire, toute une bonne nourriture à l'intérieur. Voilà, donc, parce que sinon, elles ont du mal à le manger, quoi. Elles sont gourmandes, hein, faut le savoir. Voilà. Donc, elles sont un peu effrayées, là, c'est normal, il y a du monde. Voilà, donc elles mangent principalement du foin. En gâterie, elles ont de l'orge. Et c'est tout. De l'eau. Et puis voilà. Et du sel de l'Himalaya. Alors, il y a du sel de l'Himalaya, c'est vrai. Il y a Ludovic qui a raison, qui est là, là. Ici, là, vous avez un morceau de sel, là. Hop. Qui traîne, là. Voilà, à côté. Et donc, ça fait, enfin, on leur donne un peu de minéraux, en fait, comme ça, qu'elles lèchent. Elles lèchent les pierres, comme les chevaux, d'ailleurs. Voilà, donc c'est assez simple. Et alors, l'atelier de traite est derrière, là, avec la ficelle, vous voyez. Vous êtes juste à côté, là. Voilà, donc c'est un atelier... comment je l'ai construit? C'est un atelier fait de briques et de broc. Attendez, je vais venir à côté, ce sera plus simple. Alors, je me suis inspiré de vidéos sur Internet et je l'ai adapté à mon lieu, quoi, simplement. Je vais derrière. Donc en fait, aux brebis. Donc en fait, quand la brebis arrive, elle passe par ici, elle rentre ici par là, et là je lève ce qu'on appelle la guillotine. D'accord? Hop! Voilà, j'enfourne la tête dedans. Là, il y a un seau avec de l'orge, comme ça, ben, elle mange l'orge, parce que sinon elle vient pas souvent. Voilà, là je bloque ici la guillotine, et ensuite je la trie par derrière. Voilà. Alors les tétons des brebis sont tout petits, donc il faut traire entre deux doigts et le pouce, pas avec la main complète, sinon vous n'arrivez pas à prendre. Alors il y a que nous on a vu faire un gars qui faisait la traite à 300 brebis, je sais pas comment il faisait matin et soir, hein. 300 tout seul. Bon, je peux dire qu'il faut être bon. Hein. Il faisait une brebis en 20 secondes ou 30 secondes. Voilà. Alors, je ne sais pas combien de litres il faisait, j'en sais rien. Alors, combien de litres en début de traite, en général, une brebis donne entre 200 et 300 millilitres par traite. Donc, voilà, après vous calculez un petit peu. Ça fait 500, 600 millilitres par jour en pleine traite. Voilà, pour une brebis. Donc, grosso modo, ça vous fait, si vous avez 4 brebis, ça vous fait 2 litres par jour. Bon, ça commence à faire, hein. Parce qu'en fait, il faut, avec le lait de brebis, on peut empiler les traites. C'est-à-dire qu'on empile, en général, 3 jours. On peut empiler jusqu'à 3 jours de traite. Au-delà de 3 jours, on ne fait pas. Mais, parce qu'après, sinon, après, ça tourne. Et comment il faut mettre un frigo bien froid, et là, ça tient. Donc on fait jusqu'à 3 jours de traite complet. Donc si on fait 3 jours de traite et qu'on a 2 litres à chaque fois, vous arrivez à 6 litres, en 6 litres, vous faites un fromage à pâte dure, par exemple. Et si vous faites 6 litres de fromage blanc, ça vous en fait. Hein. Voilà. Bon, si vous faites du fromage, on appelle ça, on en parlera tout à l'heure, mais du fromage comme vous avez mangé, du fromage frais, là vous allez faire une dizaine de fromages, quoi, quasiment. Et puis après, alors, oui, ce qui est intéressant, c'est... Il y a du petit lait. Et le petit lait, ça nous sert pour les poules. Et ça sert à tout le monde. Pour les poules, parce que le chien, il aime ça. Le chat, et les chats, n'en parlons pas. Ils aiment ça aussi. Ça sert aussi pour les fosses septiques. Ça sert à alimenter les fosses septiques en enzymes. Donc on en met un peu dans l'évier, de temps en temps, un demi-litre. Ça fait pas de mal. Pour raviver la flore. Voilà, vous voyez, ça sert à tout, quoi. Donc on perd rien, en fait. Rien n'est perdu. Alors figurez-vous qu'on boit quasiment jamais de lait, parce qu'on le transforme tout le temps. Donc en fait on mange du fromage, on mange du, voilà, ou du yaourt, ou du fromage blanc, ou de la feta, enfin voilà. Mais en fait, boire du lait, ça m'arrive de temps en temps pour le goûter, quand il y a un fond ou je sais pas quoi, mais on va dire, j'en bois jamais, j'en bois rarement. Voilà. Alors, du beurre de brebis, ça doit exister, mais on a trop peu de quantité pour en faire. Parce que le beurre, faut le savoir, le beurre, quand vous faites du beurre, vous utilisez de la crème. Et pour avoir de la crème, il faut utiliser le lait. Il faut savoir que sur 100% de lait, vous avez 15% de crème, maximum. Donc déjà, sur un litre de lait, vous avez 150 ml de crème. Et après,
avec cette crème, vous faites du beurre. Et là, vous perdez encore 15 à 20% de masse. Donc, pour faire du beurre, ça coûte cher. On comprend pourquoi le beurre est cher. Parce que, il faut beaucoup de crème et tout ça, on perd à chaque fois. Alors, vous perdez d'abord le petit lait, ensuite, vous perdez ce qu'on appelle le lait de beurre. Donc, vous pouvez le réutiliser, le lait de beurre, parce que c'est très bon. C'est bien gras, d'ailleurs. Mais bon... Mais à chaque fois, on perd. Donc, faire du beurre, ça coûte très cher. On en a fait au début quand on avait des vaches. On a eu deux vaches avant, des vaches laitières. Mais on a fait du beurre, on a une baratte. Mais ça coûte tellement cher qu'au bout d'un moment, on a arrêté, quoi. On a préféré avoir de la crème, c'est tout, quoi. Le petit lait, en fait, c'est quand vous faites du fromage. Et quand on égoutte ma femme en parlera tout à l'heure, quand on égoutte le fromage, à ce moment-là, on a du petit lait. Donc au départ, on a que du lait. Bon. On a que du lait dans le pied. Et souvent, d'ailleurs, dans le frigo, ça se décante, la crème se met en haut, elle est plus légère que le reste. Voilà. Exact. Il faut au minimum un bébé pour avoir, effectivement, il faut avoir un agneau pour avoir du lait, sinon vous n'avez pas de lait. Alors nous, on fait les brebis, on les traite pendant 5 mois. Environ 5 mois et demi. Donc là, on a commencé mi-avril. Vous voyez, donc mi-avril, mi-mai, mi-juin, mi-juillet, mi-août, mi-septembre. Vous voyez, voilà, on a 5 mois et demi. Grosso modo, c'est ça. Voilà, sachant qu'en plus de ça, alors oui, attendez, j'ai oublié quelque chose. C'est que le premier mois, vous ne prenez rien. Et oui, c'est pour l'agneau. Donc le premier mois, en plus de ça, le lait du premier mois n'est pas bon. Il est bon pour l'agneau, mais pas pour... Donc le premier mois, quand l'agneau naît, on laisse tout à l'agneau. Et ensuite, on partage. Le deuxième mois... C'est-à-dire que le deuxième... Le soir, quand on les rentre, on sépare les agneaux des mères. Alors ça, c'est sportif aussi, je peux vous dire que... Parce qu'ils vont rester avec les mères. Hein. Ils se battent pour... Alors, on a fait un enclos là que pour les agneaux parce que ils arrivent à passer n'importe où dans les trous de souris. Donc on a blindé le truc là pour pas qu'ils sortent. Et donc on les enferme la nuit. Donc la nuit ils sont enfermés à côté des mères. Donc ils bêlent qu'ils en peuvent plus. Enfin bref, bon, c'est comme ça. Sinon vous n'avez pas de lait. Hein. Parce que vous les laissez une nuit avec elles, c'est fini. Hein. Maintenant vous n'avez rien. Une fois on avait fait l'erreur de laisser tout le monde. Ben, je suis allé à la traite du matin, ben, je suis reparti. De toute façon, t'as fait rien, je les ai sortis dans le champ, puis voilà. Si vous les laissiez ensemble, la maman, elle les nourrit pendant combien de temps? Ah ben, ça peut durer 3-4 mois. Ah oui. Ah ben, ils vous laissent rien. Hein. Et vous allez le matin, vous passez derrière. Une fois, je suis arrivé, je dis, mais c'est même pas la peine que je fasse la traite. Hein. Je suis reparti, mon fils a oublié de mettre les agneaux à part. C'était fini, quoi. Au troisième mois, c'est 50-50? Non, alors, ça dure un mois. Un mois à 50-50, et au bout d'un mois, on les sépare complètement. Il faut vraiment bien les séparer, c'est-à-dire qu'on les met dans un autre champ. Alors, ça bêle pendant 3-4 jours, 5 jours, hein, parce qu'ils essayent de chercher leur mère. Les mères qui bêlent, enfin bref, vous imaginez le bazar qu'il y a pendant 3-4 jours ici. Et au bout de 3-4 jours, ça se tasse. Et puis là, on prend le lait complètement aux mères. Voilà. Les agneaux, ils broutent, du coup. Et ils broutent, oui, oui. Au bout de 2 mois, ils broutent, oui. Ils sont sevrés. Elles se sèvrent naturellement ou si vous les traînez tout le temps, le lait peut durer aussi. Alors, non, ça diminue au fur et à mesure. En fait, il y a une courbe... Je suis un peu scientifique d'origine, hein, donc il y a une courbe logarithmique inverse. Pour ceux qui sont un peu scientifiques. Donc, en fait, ça baisse tranquillement, c'est pas linéaire. Au début, ça donne bien, même ça monte un peu. Et puis, à partir du quatrième mois, ça commence à baisser au fur et à mesure, 20 millilitres par 20 millilitres, pas tous les jours, mais presque. Et vous disiez que vous traitez pendant 5 mois et demi? Oui. Là, je suis à 2 traites par jour. Donc, ce matin, j'ai fait la traite à 6h30. Et normalement, je fais la traite ce soir à 7h. Et puis, ils sont vraiment réglés, quoi. Si vous ne faites pas la traite à l'heure... Ça s'entend. Ouais, ça bêle, ça machin, ça, voilà. Ça râle. C'est comme les chevaux, on n'est pas à manger à l'heure, ça tape contre les barrières, enfin bref.
Alors là, avec, deux brebis, ça va vite, hein. Je mets 5 minutes, même pas, pour tout préparer. Et en fait, quand je traite une brebis, j'en ai pour 30 secondes. Hein. Mais souvent, c'est le plus long, c'est aller les chercher, les mettre à l'intérieur, enfin bref, c'est ça le plus long à venir. Oui, il y a des trayeuses, mais là, ça coûte trop cher pour le nombre de brebis que j'ai. Ça arrive au manche, c'est portable et tout, mais bon, c'est... En fait, là, ici, je soulève ma guillotine. Je verrouille la guillotine, hop, merci, avec le petit morceau là, voilà, je traie à l'arrière, donc je nettoie, je traie, et ensuite, quand j'ai fini, je libère la brebis, là, et en même temps, j'ouvre ici, et j'ai fait sortir. Non, la tonte, je les prends individuellement de l'autre côté, là, on se met au milieu de là où il y avait l'hôtel, quasiment, devant. Et on met une table et avec mon fils, on leur attache les pattes et hop. Et je les tonds au ciseau. Au ciseau, oui. En fait, tu passes mieux. Au ciseau. Ah oui, oui, ils ont l'habitude. Hein. Non, ça dépend. Donc, quand il y a un peu de bruit, ce matin, il y avait un peu de bruit, tout ça, donc ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Quand je suis tout seul, il n'y a pas de souci. Ah, si vous êtes là ce soir, il n'y en a pas une qui va vouloir venir. Mais bon, c'est pas grave. Je vais commencer à les tarir, je vais être un feu le matin pendant 10 jours, puis après, je vais arrêter. À part qu'il y en ait une qui vraiment fasse du pli, je ne sais pas quoi, je vais la soulager un peu. Puis... Alors, je reconnais, je l'ai vu à mes fiches. Oui, justement, compagnie. Alors, le vaccin, moi, je fais le truc minimum. Avec les brebis, la seule chose qui est obligatoire, c'est. Alors, je me souviens plus de si c'est la brucellose. Je crois que c'est la brucellose. Je crois que c'est la brucellose qui est obligatoire. Et c'est obligatoire. Enfin, c'est un test. Un test à la brucellose, je crois, tous les 5 ans. C'est tout. En fait, on n'est pas obligé, encore avec les brebis, contrairement aux vaches qui sont vaccinées. Qui sont testés chaque année. Mais les brebis, on n'est pas obligé. Donc, on peut encore faire un peu ce qu'on veut. La seule chose, c'est qu'on a le test à la brucellose, obligatoire tous les 5 ans. Pour voir si notre cheptel est indemne de brucellose ou pas. Voilà. Et donc, nous, en leur donnant les selles, je pense que déjà, ça les protège. Puis, du fait de bien les nourrir aussi, ça aide aussi. Le fait aussi de bien nettoyer les... Ça a l'air de rien, mais on nettoie la bergerie là environ toutes les semaines. Donc pour l'instant, on recharge, et au fur et à mesure, tac, au bout d'une semaine, on sort tout. On sort tout, on met du... On appelle ça les micro-organismes de ma femme, là, dont elle vous a parlé tout à l'heure. Ou alors de la poudre, on a une poudre séchante. Et hop, on remet de la paille fraîche par terre, et c'est reparti. Ainsi de suite. J'ai tout fabriqué là en fait. Ici tout ça c'est moi qui fabrique. Toute la bergerie là en bois, là, tout ce qui est en bois là, c'est moi qui fabrique ici. Alors, j'ai récupéré les anciennes stalles, comment ça s'appelle en bois, là, vous voyez, avec les barreaux là, des vaches. J'ai un peu bricolé quoi, et de façon à ce que ce soit un peu plus joli. J'ai changé quelques barreaux et puis ensuite j'ai bricolé ça. J'ai été obligé de rehausser parce que les brebis au départ sautaient au-dessus. Vous imaginez, une brebis ça saute haut. Hein. Ça saute sans un problème à 1m20, donc j'étais obligé de mettre ça jusqu'à 1m40, 1m50 parce que sinon elle sautait au-dessus. Bon, quand on dit le seul mouton, ça marche. Je peux vous dire, quand on l'a expérimenté, ça passe. Voilà, si vous voulez bien, on va passer aux poules maintenant. Moi, la brucellose, ça a un rapport avec la Commission européenne ou pas? Pourquoi? Oui, sûrement. Oui. Alors, il y en a plus. Bon, on va expliquer tout ça. Moi, je te laisse, tu parles bien petit. Bon, je vais attendre que tout le monde soit là. Ouais. Venez par ici pour voir les poules. Ah, bah, bon, ouais. En fait, quand on arrive ici,
il nous fallait faire un poulailler où ils aient de la place, où ils puissent être relativement protégés et on puisse les rentrer dans le bâtiment. Et tout ça en faisant en sorte que ce soit relativement pratique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit le poulailler à l'intérieur, en planche, enfin en bois tout simplement, où on a mis des morceaux de grillage pour pouvoir laisser circuler l'air et pour pouvoir voir les poules, ce qui se passe à l'intérieur du poulailler. Et donc, on a construit pour qu'elles puissent pondre et qu'on puisse ramasser facilement les œufs. On vous montrera ça après. On a fait des sortes de petits leviers, des cages en hauteur. Ouais, des cages en hauteur qui permettent en fait de pouvoir chercher les œufs rapidement. Voilà, donc ça c'est relativement pratique. Et donc à la place, elles ont beaucoup de place. Donc d'abord on a fait une partie, puis après on a fait une deuxième. On verra ça après. Et donc pour ce qui est de l'extérieur, donc on a mis un grand grillage tout autour ici pour leur laisser environ, il y a environ 150 entre 50-70 mètres carrés par là. Oui, plus il y a 400 mètres carrés. Ah oui, il y a 400 mètres carrés, voilà. Vous en avez combien? Alors, il y a environ entre 25 et 30 poules, je dirais, à peu près. C'est parce qu'on ne compte pas exactement, parce que le problème, c'est qu'il y a des poules qui meurent. Sauf qu'on ne les compte pas vraiment, parce que les vieilles, elles meurent, on les ramasse et puis on les jette. Vous en ferez pas? Alors, ça dépend. Des fois, moi, je les bêtes, les poules mortes, souvent, je les donne aux buses. Je les jette dans le bois. Et elles sont Elles disparaissent en quelques jours. Quelques jours, il n'y en a plus. Elle vous remercie. Ça évite qu'il y ait VIP ici parce que les buses sont très friandes des poules. Donc, il faut faire attention. Heureusement, il y a le chien, même si, parfois, on s'en fait bouffer. Voilà. Donc, on a 400 mètres carrés de terrain pour elles, donc du coup. Et là, en fait, ce qu'on leur jette au milieu, c'est du fumier. Alors, soit c'est ce qu'on récupère quand on nettoie à l'intérieur et qu'on jette à l'extérieur ici. Et souvent, il y a du grain qui reste dedans, etc. parce qu'on leur donne à manger à l'intérieur. Donc souvent, elles retrouvent ça là-dedans et elles aiment beaucoup ça. Et du coup, elles mangent encore. Et puis, il y a des vers qui poussent dedans. Il y a tout un tas de petites bêtes, d'insectes, etc. Elles sont très friandes de tout ça. Donc, elles aiment beaucoup fouiller là-dedans. Et puis, elles ont le gros intérêt, c'est qu'il y a beaucoup d'orties autour, de plantes, qui leur permettent de se protéger du soleil, surtout en été. Parce que l'été, comme il fait très chaud, elles n'aiment pas du tout ça, parce qu'en plus, elles ont beaucoup de plumes, et elles n'en perdent pas tellement l'été. Donc, elles s'abritent, en fait, sous ces orties. Et donc, elles aiment bien se mettre sous les orties pour avoir de la fraîcheur, etc. Donc, en plus, elles aiment bien, quand il y a des petites pousses, elles aiment bien les manger parce qu'il y a beaucoup de fer à l'intérieur, des nutriments qui sont très utiles pour faire des œufs, pour savoir qu'elles sont faites correctement. Ce qu'on peut aussi parfois, c'est qu'au milieu, là, vous voyez, on enlève un peu le fumier qui est dessus et on creuse un peu et on récupère de la terre noire de son. Qui est très très bonne. Alors, on le fait pas très souvent parce que c'est très dur d'enlever tout le fumier qu'il y a dessus. Mais on est très content de récupérer cette terre pour faire des semis surtout. Parce que c'est très très riche et ça permet de pouvoir les faire pousser rapidement. Et puis, quand elles sont jeunes, elles pondent bien la première, deuxième. Puis à partir de la troisième année, c'est difficile. Pour nous, on les laisse mourir tranquillement. Si on s'en aperçoit, on essaye de les tuer avant, puis on fait une peau pour, effectivement. Si c'est petit comme ça, ça va. Ça reste. C'est pas la peine de déclarer. Moi, je suis agriculteur, donc j'ai le droit d'avoir des poules. Voilà, si vous êtes particulier, vous avez le droit d'avoir des poules aussi. Hein. Mais je sais qu'en ville, par exemple, vous n'avez pas le droit d'avoir de coq. Interdit. À cause du bruit. Donc, parce que quand ça se met à chanter à 4h du matin. Mon voisin, il n'a pas cité le paquet. Alors, les coqs qui sont en trop, justement, ça fait du poulet. Et oui, c'est eux qui finissent à la casserole. Voilà, c'est le principe. Le mieux pour les tuer, c'est le matin tôt. Si un jour, pourquoi? Parce qu'ils sont un peu endormis encore. Et là, ils sont arrivés avec le gourdin. Et c'est comme ça, vous faites un bon signe de croix, vous rentrez dans le poulailler, ils sont. si, d'abord, ça somme, et ensuite, je sais. C'est pas halal. Oui, donc on a signé des choses comme ça. On nettoie souvent le poulailler.
Ouais, quoi. Au combat, pareil, ça m'arrive d'avoir des plus rouges, des plus noirs. Comme ça, il faut, en permanence, il faut, faut brûler les lits. Moi, je brûle les lits. Là, il faut, le lieu, je vais blanchir tout le poulailler à la chaux. Comme ça, au moins, là, je l'ai pas encore fait, mais je suis en train de préparer, là, il va pas venir. Mais, à l'issue, là, je vais me mettre à blanchir tout ça. Je vais faire un lait de chaux et en avant. Je vais passer partout, toutes les planches. Comme ça, je vais prendre. C'est ce qu'il faisait avant et c'est ce qui marchait mieux. Donc, pour l'instant, j'ai brûlé. Bon, vous verrez, les planches sont un peu brûlées partout. Oui, parce que j'en ai quand même des poules. Donc, il y en a toujours, de toute façon, les poules, on en a toujours. Oui, ils sont rouges, oui. Mais tout petit. Peut-être on en verra, j'en sais rien. Mais ils sont tout petits. Mais là, j'en ai vraiment éradiqué pas mal, quoi. Donc, il y en a beaucoup moins. Mais c'est une vraie invasion, hein. c'est une cochonnerie. Hein. Et ça se met effectivement en priorité dans le bois. Ouais. Le problème, c'est les poulaillers en béton ou en plastique, j'aime pas trop ça. Quoi. Donc, privilégier le bois, effectivement, il faudra passer à la chaux, mais voilà, il faut le faire assez souvent. Donc, bref, je le fasse là, dès que vous êtes parti. Peut-être pas plusieurs fois par an, mais au moins tous les deux ans. Quoi. Et merci. Suivez le guide. Vous allez pas passer par les bruits. On va passer par les bruits parce que là il y a une chose trappe là. On va passer par là. Voilà, vous pouvez rentrer, là, allez-y. Alors ça, c'est les trappes. Vous faites comme ça. Voilà, et on récupère les odeurs. Voilà. Donc voilà le poulailler à l'intérieur. Donc ici, en fait, les poules rentrent par là, par la porte, hein. Et ensuite, vous avez le grand poulailler, donc avec, il y a ce qu'on appelle des pondoirs, voilà, ici. Et normalement, il devrait y avoir des œufs. Alors voilà les œufs qui sont pondus, donc là, il y en a un, il est couleur bleu-gris, c'est la race Arapuna. Mais c'est là, oui. Hop là. Donc, elles ont pas dû pondre beaucoup parce que il y a beaucoup de monde, donc elles n'aiment pas trop le... Il y en a là-bas ? Il y en a deux. Voilà. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Voilà, voilà. Donc voilà les pondoirs. Alors, il y en a des plus hauts, des plus bas. Il y a un peu de tout. Là, vous avez des mangeoires en face. Ici, vous voyez, vous avez un gros seau. Là. En fait, c'est le distributeur à eau. J'ai pris un gros truc parce que en été, quand il fait bien chaud, elles sont capables de boire le seau en deux jours. Vous n'avez pas, hein ? À 30. Voilà, puis après, ben, elles se mettent sur les pondoirs le soir ou sur les perchoirs qui sont ici. Et là-bas, on a un petit box dont a parlé mon fils tout à l'heure. En ce petit box, ça permet d'isoler les poules qui sont en train de couver pour éviter que les autres ne les perturbent ou mettre des œufs supplémentaires. Et après, on ne sait plus lesquels sont couvés ou pas. Donc, en fait, on les attrape, on les isole dans les deux derniers pondoirs qui sont au fond et on ferme la porte. Voilà. Comme ça, ça permet de les... Et ensuite, quand il y a des poussins, les premiers jours, ça permet d'habituer les poules aux poussins qui viennent de naître. Donc comme ça, la poule qui a pondu, enfin, tu dis moins qui a des poussins, est toute seule avec ses poussins pendant quelques jours. On la laisse une semaine, 15 jours. Et au bout de 15 jours, on commence à ouvrir la porte petit à petit. Voilà. Donc on fait une petite ouverture, comme ça, les petits peuvent sortir. Mais et les autres, les grosses ne peuvent pas rentrer, vous voyez, au moins c'est toute une ruse. Comme ça, au fur et à mesure, ils s'habituent aux grosses poules, et puis à la fin, on ouvre la porte complètement. Et après, ils font partie de la horde, c'est qu'elle veut dire. Voilà. Les poussins, vous les aidez un peu avec la chaleur Non, nous, on a décidé de faire ça naturellement. Donc c'est vraiment la poule qui s'occupe de ses poussins. Mais même avant, pour trouver, ils doivent tout gérer, quoi. Oui. C'est la loi de la nature. Non, c'est la loi de la nature. Voilà. Donc en général, quand il y a... quand il y a une couvée, il y en a la moitié qui est close. Alors en fait, ce qui se passe, c'est quand il y en a une qui commence à couver,
si elle veut vraiment rester sur ses œufs, à ce moment-là, on prend toute la ponte de la journée et on met tout dessous, enfin quasiment. Alors, ça dépend comment elle est la poule, si elle est grosse ou pas, quoi. Mais si jamais c'est une poule assez importante, on n'hésite pas d'en mettre une bonne dizaine dessous. Tant pis, on n'a pas d'œufs ce jour-là, mais au moins, on sait qu'on va avoir des poussins peut-être en 21 jours. Voilà, c'est le principe. Comme ça. En général, c'est au printemps. Voilà, tout au printemps. Voilà, elle reste sur un œuf un jour, et puis on se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle fabrique? Puis elle, en fait, on essaye éventuellement de la faire partir. Si on voit qu'elle commence à nous piquer, c'est qu'a priori, elle veut rester sur son œuf. Non, voilà. Donc, faut pas la contrarier. À ce moment-là, on vient le soir. Moi, souvent, je viens le soir. Et on l'attrape entière avec les œufs, la paille, tout. On met ça sur une fourche. Hop, et je transporte tout là-bas. On achète transport pendant la nuit des œufs, de la poule, etc. dans le petit poulailler là-bas. Et puis on voit si le lendemain, elle veut bien rester sur ses œufs ou pas. Si elle est toujours dessus, qu'elle ne veut pas manger, c'est que c'est bon. Ah, elle ne mange pas pendant... Des fois, pendant 20 jours, elle ne mange pas. C'est intéressant. Ah oui. Alors des fois, on lui met à manger d'un tout près. Elle daigne manger un peu. Mais pas beaucoup. Des fois, il y en a qui ne mangent pas du tout. Ah oui, c'est du dévouement, là. C'est comme ça de dire. C'est le jeûne pendant 20 jours. Donc là, on peut prendre des leçons, oui. Effectivement. Et puis après, quand elles... Alors, elles ont des œufs, des fois, qui ne correspondent pas du tout à leur type. Hein. Parfois, c'est une Brahma, parfois, c'est une autre. Enfin, bref. Ah, mais ça ne fait rien. Ce sont... C'est tout simple. Et elle les défend vraiment bec et ongle pendant un bon mois et demi. Après, quand ils ont bien poussé, elles s'en fichent complètement. C'est marrant, c'est assez rigolo. C'est vraiment l'instinct. Mais dès qu'ils sont devenus grands, après, ils ne s'en occupent plus. Bah, ils mangent tout seuls, ils sont lâchés, quoi, c'est quand même de dire. Voilà, ils sont autonomes. Alors, si mon fils en a parlé, les buses. Les buses et les... Pas les fouines, on n'a pas de fouines. Renard, on n'en a pas. Parce que pourquoi on n'a pas de renard? Parce que, je pense, un, on a un chien, et deux, il y a d'énormes glacis pour venir jusqu'ici. Il n'y a pas de forêt à côté. Donc, il faut qu'ils traversent des champs qui sont longs, 150 mètres découverts. Et donc, ça, hein, le renard, il n'aime pas ça. Voilà, donc c'est surtout des buses qui viennent. Et qui viennent en hiver quand elles n'ont plus rien à manger, alors ça va, il y a encore des souris, du machin à attraper, donc ça va. Mais quand il n'y a plus rien à manger, elles viennent carrément des fois à 9h du matin. Hein. Alors qu'il y a le chien, c'est pas grave, hein. Elles descendent dans le poulailler, il n'y a plus les orties malheureusement, comme on en parlait mon fils, pour les protéger, puisque les orties sont décédées, c'est un peu le glacis. Il faut que je mette encore des obstacles pour justement qu'elles puissent se cacher dessous. Et ensuite, elle vient, elle tombe sur une poule, la plus petite, là, et une fois, j'en ai eu une, en 5 minutes, elle a quasiment, elle a tué la poule, et elle est en train de la manger, quoi. Voilà, quoi. Donc ça, pour nous, le plus embêtant, c'est les buses. Bon, moi, pour les faire fuir, je vous avoue, j'utilise la main de Henri. Ça marche. Elles entendent, au moins, je la touche pas, mais elles entendent des balles siffler, quoi. Donc, puis ça fait pas trop de bruit, donc 800 mètres, une main de Henri, ça s'entend pas trop. Mais bon. Voilà, c'est tout. Ça marche. Sinon, il y a d'autres solutions. On va sûrement acheter un couple de... Comment ça s'appelle? De dindes. Parce que les dindes, dès qu'elles sont effrayées, elles font un bruit pas possible, elles préviennent des poules et tout le monde. Voilà, donc notre prochain objectif, c'est d'acheter un couple de dindes. Donc un dindon et une dinde. On va mettre dans le poulailler, comme ça au moins on sera tranquille. Non, plus de problème de buse. Ils sont automatiquement prévenus. Il paraît que ça marche très bien. Ça rend service à Noël. Et en plus, effectivement, ça rend service à Noël. Voilà. Mais en tout cas, hein. Voilà. Et en fait, c'est un récit, c'est un peu qui d'œil, surtout pas. Ah oui, oui. Bon, l'atelier chevaux, on va passer un peu dessus. Donc là, c'est l'atelier quoi? Transformation de lait? Oui. Atelier transformation de lait, comme ça au moins vous passez des brebis. Et c'est à quel endroit? À peu près 32 degrés. Pour 1 litre, je mets une cuillère de soupe dans mon lait que j'aurais chauffé à 32 degrés.
je remue et je la laisse au four, hein, ça veut dire au four fermé, que vous avez un four électrique ou gelé, au four fermé, pendant 24, voilà, 36, bon, 48 heures, c'est pas un problème. Elle va s'épaissir, elle va devenir comme ça. Et c'est très bon, c'est meilleur parce que vous faites consommer le lait. Une fois que j'ai obtenu mon lait caillé, soit je peux le consommer comme ça, soit je vais plus loin. Je fais une plus grande quantité. Voilà. Et après, une fois que j'ai obtenu mon lait caillé, je vais prendre une partie. Imaginez, tout ça, c'est caillé. Je vais prendre une partie prélevée pour une prochaine fois. Ça, c'est une façon de faire. Voilà. Quand c'est très épais. Voilà. Au-dessus va se former une épaisseur comme ça, à peu près un peu jaune. Ça va me faire la crème. C'est la crème fraîche. Ce n'est pas la crème liquide. Donc voilà, vous avez la crème fraîche. Vous pouvez déguster en vrai. La crème fraîche. Très épaisse, jaune. Par rapport au lait caillé, vous savez, les lait caillé, enfin, c'est pas nous, le lait caillé, ça fait ça. Hop, la crème fraîche, c'est ça. Voilà. Vous avez la crème fraîche. Le restant que vous aurez mis va vous donner, une fois que vous l'égouttez, vous faites égoutter le lait écrémé, si vous voulez, ou le lait caillé écrémé, si vous voulez. Et vous obtenez, vous mettez ça dans un tamis, en vase de lin, ou de, voyez-vous, un peu comme on parlait quand on fait la confiture parfois pour, ou la gelée, hein, vous passez comme ça, vous faites égoutter à peu près, oh, ça dépend, 36 heures selon, il faut un peu voir, 48 heures, et vous avez le fromage blanc. Alors le fromage blanc, ça vous fait un peu une mixture entre la crème et le caillé. Très très bon, très doux surtout, vous allez pouvoir déguster là tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, hein? Voilà, c'est ça. Ça, c'est maintenant le procédé pour avoir enfin le lait caillé et le fromage blanc. Là, j'ai le fromage qui va se faire. Là, c'est un peu, c'est à peu près pareil, mais le fromage, et il forme au-dessus du petit lait. Le petit lait, pardon, excusez-moi, je ne me tourne pas assez à droite, je ne suis pas gentille. On voit rien. Je moule tout doucement, je prends mes... Voilà, comme ça, et je moule dedans. Et je continue comme ça. Voilà, parce que je fais le fromage frais qui, après, selon l'âge, devient plus ou moins dur, plus ou moins goûteux, etc. etc. Voilà, comme ça. Et comme ça, bon, je moule. Alors, écoutez, je vais un peu plus vite juste pour couper. Je remplis. Et je laisse après. Voilà, bon, on va continuer après, mais c'est pas grave. Hop, comme ça, et je fais égoutter. Et au bout de 24 heures, le lendemain, je peux le retourner. Ça a formé, ça a pris la forme, merci beaucoup. Et je sale. Je sale par au-dessus, et le sel va bien pénétrer à l'intérieur. Et là, vous avez vu déjà le petit lait un peu dessus. Voilà. Et là, vous allez bien sûr à nouveau regarder, ça coule toujours. Donc c'est pour ça qu'on a besoin, quand on a beaucoup de lait, finalement, bon, on obtient moins de fromage. Hein. Et selon maintenant du fromage frais, vous avez plus de matière. Quelqu'un m'a parlé tout à l'heure du fromage à pâte dure. Il faut à peu près faire 4 litres et demi pour obtenir un fromage de 500 grammes à pâte dure. Voyez-vous donc la relation? Parce que vous perdez au fur et à mesure toujours de liquide ce petit lait.
Voilà. Et donc après, on peut le mettre, si vous voulez, le garder un peu à l'extérieur, à l'abri des mouches, etc. Au bout d'un moment, je le rentre au frigo. Il commence, pas dans un frigo très froid, un peu, voilà, peut-être à 9, 8, 9, hein, pas maintenant à 4 degrés ou je ne sais. Et il va commencer à mûrir tranquillement, à se durcir, voilà. Il est consommable comme ça, oh, bien un mois. Et maintenant, je mets juste un petit peu d'eau. Pourquoi ? Il n'est pas pour. Voilà. Juste un petit peu d'eau pour une petite quantité. Pour que ça, ça se mélange mieux. Parce que de toute façon, il y a de l'eau dedans. Donc si je mets un peu plus ou un peu moins, ce n'est pas très grave. Et non, je ne vais pas mettre un verre, bien entendu. Mais juste un tout petit peu. On mélange. Mais là, attention. Avec celle-là, de l'écaillé au départ, vous pouvez mélanger, franchement. Mais là, il faut aller tout doucement. Vous tournez dans un sens, et ensuite, vous l'arrêtez tout de suite. Vous tournez dans le sens inverse pour arrêter le tourbillon. Là, que ça ne continue pas à tourner, parce que moi, je ne tourne pas assez à droite, je vous dis. Donc là, pour que ça tourne dans l'autre sens, pour arrêter le flux du liquide, parce que sinon après, ça va prendre et ça va vous faire des espèces de stries un petit peu, ça peut vous faire ça, mais ça ne va pas prendre uniformement. Hein? Pour ça, on arrête le flux tout de suite, et là, vous attendez encore selon la chaleur. Alors, justement, il y a des éleveurs qui ont dit, on arrive très mal à faire notre fromage, en plein été, quand il fait surpêcher, ça vient du fait que quand vous avez un employé, je ne sais pas qui vient tous les 24 heures ou je ne sais, à l'intervalle régulier, et vous n'êtes pas dessus, le lait, bien, s'il fait plus chaud, ben, il va se transformer plus vite. Donc là, j'étais étonnée parfois, mais je me dis, au bout de 10 heures, 8 heures, voilà, je dis, mais je vais faire le fromage. Oui, on se fait dire qu'il va y avoir ce lait, ce cahier, qui va ce petit lait jaune qui va se former très vite dessus. Et si vous attendez trop longtemps, et ça va se décoller au fur et à mesure, vous aurez de petits laits en bas, et votre fromage va diminuer, et il va devenir moins crémeux. Voilà, pour ça, il faut un peu se dépêcher pour observer un peu comment réagit votre fromage. L'aceta nécessite une transformation déjà à la base différente. C'est-à-dire avec la feta, justement. Avec la feta, vous chauffez à 37 degrés. Et vous remuez à 37 degrés. Une fois, le procédé même, l'écaillé, 30 minutes. Vous ajoutez votre présure. Mais pour ajouter votre présure, vous chauffez à 37. Vous ne chauffez pas à 32. Donc la température est à 37 degrés, parce que moi aussi j'ai fait de la coca. Donc à 37 degrés. Et avec les 37 degrés, vous tournez à peu près pendant 7 minutes. J'ai à peu près calculé comme ça. Vous tournez tout doucement. Le mieux, c'est avec une équimoire. Tout doucement comme ça. Et ça va vous faire des petits morceaux qui vont s'agglomérer un tout petit peu, qui vont devenir un peu plus durs et qui vont produire beaucoup plus de petits laits. Et au bout d'un moment, après, vous moulez ça dans les moules. Voilà. Et l'attente n'est pas aussi longtemps. C'est-à-dire, pour faire la feta, vous chauffez à peu près au bout de 2 heures après le lait caillé, 2 heures déjà, au lieu d'attendre 24 heures pour que le petit lait se forme dessus. Avec la feta, normalement, on n'attend pas que le petit lait se forme dessus. On attend que le stade figé du lait. Quand vous pouvez couper, vous pouvez essayer avec un couteau ou bien avec un outil qui s'appelle la harpe à fromage. Voilà, c'est ça. Et quand ça coupe et ne se mélange plus, ça veut dire que c'est le bon moment. Voilà. Donc là, c'est la feta. Et après, vous moulez, vous retournez, tournez, vous retournez, vous tournez avec les outils nécessaires. Et vous mettez la feta, une fois qu'elle est dure, c'est au bout de 24 heures à peu près, vous les mettez dans une saumure. Ah, vous les mettez, oui, vous êtes obligé. Une saumure, c'est sel et eau. Donc,
on a fait le fromage 30 minutes en attente. Et maintenant, je vais réchauffer à nouveau parce que ça va refroidir un tout petit peu à 32, maxi 34. Je vais prendre ma présure. Là, comme ça. Il y a quoi dans la présure? C'est du liquide de l'estomac du veau. Et vous, c'est vous qui le récupérez ou... Ah non, 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 non. On achète ici dans la région, on le trouve assez facilement, sinon on le trouve sur Internet. Donc pour un litre, c'est selon les types de présure. 6 gouttes pour du fromage frais. 6 gouttes pour du fromage frais. Et un peu plus, jusqu'à 12 gouttes selon ce que je veux faire. Vous voulez faire un camembert, vous mettez 2-3 gouttes de plus. Vous voulez faire de la feta, vous mettez un peu de plus. Alors, je pense qu'il y a différents terroirs qui vont produire différents fromages frais. Mais le procédé pour les différents types de fromage est à peu près le même. La saveur et le goût, je pense que notre lait de brebis est beaucoup plus doux que lorsque vous allez sur les Larzac ou dans la garrigue quelque part, où vous avez les brebis vont brouter de du thym, du serpolet, etc., etc. Je pense qu'il sera un peu plus prononcé. Vous allez goûter, vous allez voir, il est très doux. Alors, écoutez, je vous invite à déguster. Vous mettez ça sur les assiettes comme ça, si vous voulez. C'est délicieux. C'est quoi celui-là? C'est bon, hein? La crème. Prenez la crème, hein, parce qu'après, nous, on mange très peu de crème. N'hésitez pas à... Alors, on va vous expliquer plusieurs choses. D'abord, comment on lave la laine. D'abord, parce que quand on la récupère, elle est pleine de tout un tas de choses. Et puis ensuite, comment on la garde, comment on la transforme, comment on en fait un peu ce qu'on veut. Bon, après, on n'a pas encore de rouleau de fil de laine tout fait. Même si on a roué, mais c'est compliqué à utiliser. Donc. Quand on les laine, les brebis, je veux dire, comme mon père vous a dit juste avant, on les coupe avec une paire de ciseaux, ce qui fait que la laine qu'on récupère est relativement longue. Vous voyez, les brins, ils font à peu près. Là, on coupe rien. Ils font à peu près cette longueur en moyenne. Donc ce qui fait que c'est relativement long, donc on peut en faire de la très bonne laine, on peut en faire des fils très longs. Donc ce qui fait qu'elle est très bien pour être gardée, pour la transformer. Voilà, donc ça c'est de la laine qui est déjà gardée. Et ça c'est... Donc en fait il y a... Voilà, il y a deux sortes de gardage. Ici ça c'est du gardage relativement grossier, on va dire ça comme ça. Et ça c'est beaucoup plus fin. Et ça sert pour le rouer, justement, pour filer la laine. Là, ici, ça, c'est plutôt pour mettre dans les coussins, surtout que cette laine, en fait, est un peu différente que celle-ci. Donc, je vais vous expliquer. Celle-ci vient des manecs, donc celles qui sont plutôt, les brebis qui sont plutôt noires. Donc, c'est de la laine qui est beaucoup plus drue. Alors, qui est très bien, par exemple, pour la feutrer, par exemple, pour faire du feutrage pour des chaussettes ou pour des choses très dures. Et puis, sinon, celle-ci, qui est dessous, hop, c'est de la laine des Donemartaudes, qui est donc elle est blanche, et elle est beaucoup plus douce, et on s'en sert plutôt pour filer, pour la tarder, pour un peu tout, quoi. Alors que celle-ci, on peut pas trop l'utiliser pour des pulls, sinon ça gratte beaucoup. Voilà. Donc pour la laver, donc en fait, on la passe d'abord dans des... on la plonge dans l'eau, c'est ça ? Voilà, on la plonge dans l'eau pour lui faire cracher tout ce qu'elle a... parce que en fait dedans il y a tout un tas de choses, il y a du soin, il y a du foin, il y a même parfois en fait que quand on les coupe, on trie la laine un petit peu au départ, parce que celle qui est sur le dos c'est la plus facile à couper, c'est la plus propre, mais celle qui est plutôt vers l'arrière elle est relativement sale, donc là on trie parce qu'il y a souvent des petits bouts de caca qui sont dessus, donc là on enlève. Puis dessous aussi elle est très courte, donc elle est souvent sale, donc on l'enlève. Et après, il y en a qui sont plus ou moins sales, et celles-là, donc il faut leur faire un lavage un peu plus important. Et donc après les avoir passées dans l'eau, on les met dans des grands bacs, comme ceci, sauf qu'ils sont un peu plus petits, et on les met à sécher. Alors souvent, on les met sécher au soleil ou à la lumière, pour qu'ils sèchent rapidement, et comme ça,
Oui, on aère un peu la laine de manière à ce que ça. Ouais, que ça. Voilà, que ce soit pas trop mélangé. Et donc, et il y a encore beaucoup de. Bah, vous voyez, ça, c'est du brin de foin qui doit dater d'il y a 2 ans. Voilà, mais. Après, souvent, avant de passer la laine dans la cardeuse, on fait attention à un peu l'étirer, à enlever un petit peu les impuretés pour éviter qu'il y en ait trop dans la cardeuse. Ouais, par exemple, ici, là, on a beaucoup, beaucoup trié, ce qui fait qu'il n'y en a quasiment pas. Mais au départ, c'était ça. Voilà, nous allons passer au cardage. Alors ça, on va vous expliquer. Cette cardeuse, donc, c'est une cardeuse à rouleaux. Donc en fait, il fonctionne très simplement. Tout simplement qu'ici, en fait, on a un gros rouleau qui tombe directement avec cette manivelle. Donc peut-être que vous voyez pas trop. On va essayer d'écarter, voilà, là vous voyez un peu mieux. Et donc là, juste ici, en fait, là c'est tout simplement un système avec un gros élastique peut-être qui est monté dessus pour qu'on puisse... Que quand on tourne, en fait, ici, relativement doucement, ici, ça tourne, en fait, encore plus doucement. C'est-à-dire que quand on tourne comme ça, l'autre côté tombe beaucoup moins vite. Ça, c'est primordial. Quand on fait rentrer la laine par ici, puisqu'on peut la faire rentrer là, comme ça, elle soit prise en fait par le rouleau en dessous, donc ici. Mais en fait, elle la prend beaucoup plus vite, ce qui fait ça prend très vite par rapport à ici. Donc, ce qui fait que ça l'étire énormément. Et donc, comme ça, ça permet de bien la mettre dans les petits trous de. Dans les petites bouteilles là, donc ça rentre dedans et donc ça s'étire beaucoup et ça permet de comme ça mettre les fils dans un seul sens. Alors parfois il y a quelques, en fait il faut parfois la faire passer plusieurs fois parce que il y a des morceaux de laine parfois qui passent plus ou moins bien parce que vous voyez ça, c'est tout, il y a des nœuds partout et souvent les nœuds ils n'arrivent pas à se défaire, donc en fait il faut passer plusieurs fois ou voilà, c'est relativement minutieux comme travail. Si on veut vraiment une laine un peu comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est plutôt faite pour filer, eh ben il faut souvent la passer bien 2 fois ou 3 fois pour qu'elle soit vraiment bien cardée comme il faut. Donc ça demande pas mal de travail. Voilà. Donc ensuite, ce petit bandeau noir là, ici, il sert à rentrer bien la laine dans le rouleau de manière à ce qu'on puisse faire une bonne couche et qu'on puisse en mettre un bon paquet. Parce que là j'ai besoin des deux mains. Voilà, donc en fait là, ce que je fais tout d'abord, c'est que j'étire beaucoup la laine et je la fais rentrer, je la dispose en fait sur toute la longueur, donc là ici, mais de manière à ce que ce soit relativement long comme ça. Alors ça c'est que je fais au début en fait pour que ce soit bien uniforme. Après je le fais un peu moins. Je l'avoue, mais parce qu'en fait il faut bien lancer au début. C'est simplement parce qu'en fait s'il y a des nœuds au début, bah, ça va pas trop le faire. Donc après on en met un bon. Voilà, après je dispose déjà. Voilà. Et donc là normalement, bon j'en aurais presque assez, ça devrait aller. Donc là je vais commencer à tourner. Alors là le réglage que j'ai choisi c'est que. Ici, ça tombe beaucoup, beaucoup plus vite que là. Mais en fait, ça permet de faire en sorte qu'elle soit vraiment bien cardée. Parce que si on fait ce réglage-là, ça carde rapidement, mais pas très bien. Voilà. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est que... Bon, il faut faire attention, parce que sinon, on peut se faire manger les doigts par la machine. Donc là, on met les doigts comme ça, la main ainsi, pour, en fait... faire en sorte que pas tout ne rentre d'un seul coup, parce que si ça rentre d'un seul coup, ça coince ou ça carte pas bien. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est réguler l'arrivée de laine. Et c'est pas possible. ça prend pas comme ça. Donc en fait, là, je fais rentrer, doucement. Hop. Hop, et après, ça rentre à la suite. Et puis là, je régule. Je la retiens bien. Pour éviter que ça arrive par paquet. Voilà, alors c'est normal qu'il y en ait un peu qui se mettent sur le premier rouleau. C'est tout à fait normal. Le but c'est que ça arrive sur le deuxième. Mais... Si, j'enlève pas. Voilà. Et donc, je passe au fur et à mesure.
voilà, je vais prendre ça encore. Ils vont encore passer. Bon, parfois c'est un peu dur. Ce que je fais, c'est que j'essaie d'en mettre relativement uniformément. Parce qu'après, ce qu'on fait, c'est que on enlève le rouleau de laine, en fait, parce que c'est tout simplement rien de plus qu'un rouleau de laine. Ouais. Alors ça a un peu de mal parce que j'en ai un peu trop rentré d'un seul coup. Voilà, c'est bon, c'est passé. Voilà, là je vais essayer d'un peu plus la. C'est pour ça que c'est important de la démêler parce que sinon ça rentre trop d'un seul coup. Et je sais où est la brosse. Allez, je suis. Voilà, donc là je continue, hop, et là c'est un travail comme ça, on essaye de réguler l'arrivée de l'air pour que ça ferme bien, donc en fait ça passe sur ce rouleau, donc ça passe un petit peu dessus aussi, mais après en fait avec une petite brosse j'enlève ce qu'il y a dessus, et je le ferai à la fin. Voilà, là ça c'est ce genre de putsch, comme j'appelle, donc en fait ça ne sert pas du tout, donc je remets. Voilà. Hop, et là. Ça paraît simple, mais moi j'ai pour bien arriver à le faire, j'ai dû mettre plusieurs semaines avant de bien le faire. Voilà, donc c'est... parce qu'en fait je ne savais pas du tout comment le faire avec vous. Vraiment, je ne savais absolument pas. On va devenir expert maintenant. Oui, au bout d'un moment ça arrivera. Ah, je ne sais pas, parce que vous la foutez encore. Non, mais la pelote qui sort de ce sol. Ah oui, mais là c'est haut, ça va normalement plus vite. Oui, il faut quelqu'un qui met. Voilà, de barrer l'arrière, là, voilà, ouais, ça passe. Vraiment, ça peut aller plus vite, mais là, bon, la laine n'a pas déjà été préparée. Donc, si, je l'ai préparé un peu. Elle est lavée avant. Hein. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Voilà, là je rentrerai. Voilà. Ensuite, une petite brosse comme ça. Et là, en fait, j'enlève sur le premier. Voilà. Oui, alors, là je tourne encore un petit moment, c'est relativement uniforme, ça va, le cardage est relativement bien fait. Donc là, hop, ici, attention, bien enlever ceci, parce que sinon vous n'allez pas arriver à enlever, parce qu'en fait vous tournez l'autre sens pour enlever, c'est là, vous faites comme ça. C'est comme une brosse à cheveux. Et puis après, enlever le rouleau uniformément, et bien prendre tous les fils. Bon, il y en a un peu qui reste plus, mais c'est vrai. Ce qu'il faut, c'est avoir la plupart des fils. Et là, on recule. Vous demandez où on allait, et puis c'est vraiment parce qu'en fait, tout simplement, la cardeuse, en fait, le rouleau, en fait, est orienté d'une certaine façon, d'une manière à ce que d'un côté ça prenne, et de l'autre côté ça libère. Tout comme ça, c'est très très pratique. Et à la fin, on a ce petit rouleau. Hop, Saint-Nicolas. Okay. Oui, d'abord. C'est vrai qu'on a. Là, elle est un peu plus. Il y a un peu plus de taille que d'habitude dedans. Mais oui, voilà. Là, en gros, finalement, ça vous fait ça. Okay. C'est pas très loin que ça. Hein, ouais, elle est pas trop belle. Mais. Après, ce qu'on peut faire, c'est pour encore. Là, elle est carrée toute la fois. On peut la repasser encore une fois. Parce que vous voyez, vous avez encore quelques-unes. Quelque part, donc je vais vous montrer. Par là, vous avez quelques nœuds encore. Donc c'est pas encore tout à fait bien. Mais pour les poussins, c'est très bien pour mettre un matelas pour bébé avec. Et c'est super bien, hein, y a aucun souci. Mais bon, voilà, pour filer, il vaut mieux encore la garder encore une autre fois pour que ça donne plus gros ce type de laine. Alors moi, je me suis principalement, donc on a fait un matelas de bébé, c'était un cadeau de naissance pour... Non, de grandeur. On a fait cela et j'ai vendu au marché de Noël l'année dernière. J'ai vendu des coussins de laine, donc remplis de laine. Et ce que je fais, je prends plusieurs couches de laine et entre la laine, je mets de la lavande, des graines de lavande. Et avec cette laine-là,
J'ai une amie qui m'en a acheté pour faire des fauteuils. Parce qu'elle est, voyez, si vous voulez bien, elle est plus rêche par rapport à son pied. Voilà. Vous savez peut-être, voilà. Elle est beaucoup plus. Et celle-ci, elle est encore légèrement plus douce. Elle est plus douce parce qu'elle est vraiment faite pour être. Pour être filé. Voilà. Alors là, on en a plein. Si vous voulez un peu voir comment les différences. Ah oui, bien sûr. Donc en fait, les cartes de diamant, en fait, c'est le même principe. Sauf que c'est pas des rouleaux. C'est tout simplement deux côtés. Donc en fait, on dispose de la laine dessus. Et puis on frotte. Et puis ça garde, tout simplement. Et on fait de chaque côté plusieurs fois. Et c'est comme ça qu'on a fait un matelas en laine, uniquement avec des cartes de diamant. C'était très très long. Ça, c'est plus rapide. C'est plus rapide, on en fait beaucoup plus. Mais ça avait l'avantage de pouvoir commencer. Tout simplement à garder la laine. J'avoue que au début, on avait que ça. Et après, celle-là, elle est récente, on a détruit un de moi. Hein. Voilà. Ça peut à peu près 6, 7 points, le même an pour les héros. Passe le temps. Donc on met des hausses, et en fait, voilà, il y a des barrettes, vous voyez comme ici, là. Vous avez des barrettes qu'on met ici au fur et à mesure. D'accord. Et dessous, je fais ce qu'on appelle une amorce de cire, d'accord, pour attirer les abeilles. Et on peut empiler les hausses. Donc vous voyez, les hausses, ça s'empile. D'accord. On les empile les unes sur les autres. Et quand j'attrape un essaim d'abeilles, en général, je mets une hausse ici comme ça, pleine. Ici, puis j'en mets une ici où je mets que une ou deux barrettes. Et j'attrape la ruche comme ça, et quand un essaim arrive, j'attrape l'essaim, je le fais tomber dedans en espérant qu'il arène. Mmh. Et si jamais la ruche leur plaît, elle reste dedans. Voilà, donc j'utilise ce genre de ruche. Pour ça, il faudra que je nettoie, c'est vraiment se manger dans du boulot. Et vous les trouvez où, les essaims? Alors les essaims, moi, comme j'ai des ruches, des fois ça essaime, quand on dit essaimer, c'est-à-dire que chaque année, au mois de avril, mai, ça essaime en général quand il fait un peu bon, donc 22, 23 degrés, un beau soleil, pas trop de vent. Et hop là, en général, on l'entend de la maison, on entend le bruit, comme ça s'excite. Donc vous avez la reine, une reine qui part. En fait, il y a dans une ruche, vous avez des cellules de reines. Et puis, ben, à ce moment-là, il y en a une qui sort. Mais comme les reines ne peuvent pas rester ensemble, il y en a une qui part, éventuellement une qui tue tout le reste. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et puis, il y en a une qui part avec des abeilles. Donc, elles forment au départ un halo. Et ensuite, elles se regroupent pour aller former un autre essaim. C'est le principe de la multiplication. Vous pouvez après. Alors, figurez-vous, il faut être très, très disponible. À ce moment-là, on le sent à la journée quand on voit, ah, il va faire 22, oh, il fait bon, oulala, ou on sent que, voilà, c'est à force, on sent que ça va essaimer, quoi. Voilà. Donc, c'est assez marrant, on le sent, voilà, on sent que ça essaie. Et là, quand ça fait du bruit, là, on sait que ça essaime. Alors là, on a, en général, entre 30 minutes et 2 heures pour intervenir. Voilà. Donc. Parce qu'à partir du moment où elles font le halo, après elles vont se regrouper, mais elles mettent un certain temps pour se regrouper. Tout ce temps-là, moi je cours, je mets ma tenue, je prépare toutes les hausses propres, pas comme ce que je vais vous présenter malheureusement. Voilà, je prépare tout le matériel, parce qu'il faut tout préparer. En fait, ce qui est long, c'est la préparation, préparer tout le matériel, amener l'enfumoir, tout ce qu'on veut, la balayenne, bonsoir. Et à ce moment-là, on prépare tout. Voilà. Et j'attends qu'il n'y ait plus de bruit. Quand tu n'as plus de bruit, c'est qu'elles se sont regroupées. Et là, on cherche les saints. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. On essaie de chercher les saints. Alors, okay, pas... En général, il est, par après dire des ruches, 5, 10 mètres de distance. Alors, il peut être en bas, il peut être en haut. Alors, quand on est en haut du pommier, on a gagné, quoi. Avec l'échelle, on rigole deux minutes, quoi.
Voilà, il faut y aller tout doucement parce que c'est très fragile, ou ça peut tomber. Donc, si vous avez un essaim d'abeilles, ça peut composer, je ne sais pas, vous pouvez avoir entre 5 000 et 10 000 abeilles dans un essaim. Une ruche complète, une grosse ruche, c'est 80 000 abeilles, hein, à peu près. Alors, je rappelle comment. Bah, figurez-vous, on monte avec donc, une ruche ou une ruchette, hein, comme on veut. Donc, il faut se balader avec tout ça sur l'échelle à 4 mètres de haut. Voilà. Et comment on l'attrape? Alors, figurez-vous, la première chose que je fais, on leur fait comprendre, c'est comme s'il pleuvait. Donc, je viens avec un asperceur, j'ai un simple asperceur à la main. Hein. Voilà. Je monte et je les asperge d'eau. J'asperge les seins. Et les seins, ils se regroupent. Parce qu'il y a l'impression qu'il pleut. Donc, il pleut, qu'est-ce qu'ils font? Ça se regroupe pour former une grappe plus chaude. Enfin, vous voyez, c'est, voilà. Donc déjà, vous regroupez les seins. Et après, tout de suite, il faut lâcher l'asperceur, mettre la ruche dessous comme vous pouvez, en espérant en avoir. Et soit avec la main, soit avec la balayette, eh bien, on essaye de mettre les seins complets dans la ruche, à la main. Alors, avec des gants, bien sûr, je suis équipé. Hein. Oui. Mais des fois, ça m'arrive rien qu'avec la main. J'attrape les seins par le haut, je l'attrape et on met tout dans l'intérieur. Mais quand vous dites les seins, là, c'est vraiment juste les animaux, là, ils ont du temps. Oui, absolument. C'est ça. Faire, là, c'est oui. Juste une boule. Juste les animaux, c'est une boule, oui. On les met dedans, on descend avec ça. Alors là, il y a des abeilles qui partent dans tous les sens. On descend de l'échelle, on met ça au pied de l'échelle, on ferme tout ce qu'on peut, on ferme la ruche. Donc là, là par exemple, là, il y a une ruche qui est équipée. Hop, je mets la deuxième, je ferme, je mets ce qu'on appelle le ça c'est pour éviter que les abeilles passent par en haut. Donc je ferme ici, je mets ce qu'on appelle le ça c'est le nourrisseur. Le nourrisseur ici pour fermer. Ça c'est pour leur donner à manger. Ah, et ensuite, je mets un capot de ruche, un toit de ruche, je ne sais plus où j'en ai. Hein. Enfin bref, on met un toit par-dessus. Là, j'en ai pas. J'ai dû les mettre là-bas parce que je dois les entretenir. Un toit de ruche par-dessus. Et je ferme la ruche. Et là, donc, ça grouille de partout. D'accord, donc là, c'est fermé. Voilà. Elles peuvent rentrer par là. Ça grouille de partout. Et là, eh bien, j'attends que les abeilles rentrent dedans. Ou alors, au contraire, retournent sur leur coin. Ça m'est arrivé d'aller rechercher un essaim au même endroit. Parce que peut-être ça ne leur convenait pas, ou la reine n'était pas dedans, en fait, voilà. Donc, et là, j'attends une demi-heure, trois quarts d'heure, et là, je vais voir si ça leur convient. Si ça leur convient, c'est alors là, à ce moment-là, elles se mettent à sortir et à rentrer de la ruche normalement pour aller butiner. À ce moment-là, on a gagné un essaim. Et ce qu'il faut faire, dès le premier soir, il faut déplacer la ruche tout de suite pour le mettre sur son point final. Pourquoi? Parce que les abeilles font ce qu'on appelle le point GPS. Si jamais vous ne le faites pas tout de suite, vous déplacez la ruche de 5 mètres 2 jours après ou 3 jours après, vous tuez la ruche. Parce qu'elles vont retourner toujours au même endroit où elles étaient au départ, où elles ont fait leur point GPS. Donc la première fois, la première nuit, ce qu'il faut c'est déplacer. Et oui, alors les ruches, ça se déplace la nuit. Parce que le jour, ça vole. Si vous allez déplacer la ruche, bah, vous n'allez pas avoir toutes les abeilles au bon endroit. Donc, il faut venir, quand elles sont toutes revenues, fermer la ruche, sangler la ruche, et déplacer la ruche. Ça va être désangler, réouvrir, etc. Voilà. Pour la mettre sur son emplacement final. Oui, moi, je les nourris souvent, s'il fait mauvais, par exemple, après, eh bien, il faut un peu les nourrir, il faut les soutenir, parce que ils n'ont rien à manger. Donc, à ce moment-là, je prends du miel, je mets du jus dans de l'eau, je fais chauffer tout ça. À environ 45 degrés. Ouais, puis le temps que je la mets dans la ruche, la température dans une ruche, c'est 36 degrés. Donc je ramène ma pitance là, et puis je verse ce breuvage de là-dedans, et elles arrivent à monter et à prendre le miel et à se nourrir en attendant, comme ça permet de faire passer le temps qu'elles aillent chercher du pollen dehors le jour où c'est bon. Voilà. Parce que là, dedans, en fait, vous mettez le breuvage là-dedans. Là-dedans, je le mets là, ici, oui, là-dedans. Et ensuite, oui, c'est percé en dessous. Alors, on ne voit pas, mais. Vous voyez, là, elle monte par là, et elle redescend ici par l'intérieur. Bon, là, il n'est pas propre, hein, ce ça. Je suis désolé, enfin, je nettoie. Ah, il y a des ouvertures. Oui, il y a des ouvertures. Et là, elle passe. En fait, vous voyez, c'est. Ah, elles ont collé ça. Ouais. Ah, oui, malheureusement, ça, c'est pas bon. Comme ça. Mais, vous voyez, elles passent. Non, je suis désolé, mais je n'ai pas préparé mon matériel, c'est pas bien. Mais elle passe, là, vous voyez. Et ici, elle, vous voyez, il y a un petit espace, et ça coule à l'intérieur, et elles ne se noient pas comme ça dans le miel. Et l'hiver, il y a un
quelque chose à faire de spécial ou comment est-ce qu'on fait? Alors l'hiver, moi ce que je fais, j'enlève les hausses inutiles, qui sont vides par exemple. Et après, ce que je fais, je mets en général un tampon de laine. Moi, je le laisse aussi l'été souvent, parce que ça refroidit aussi. C'est un isolant, isotherme. Ouais, mais je fais rien de spécial l'hiver. Non. Est-ce qu'on ferme la ruche ou Non, il faut surtout pas fermer la ruche. Elles vont sortir l'hiver encore ou c'est pour ça peut sortir. Oui, c'est pour l'aération. Donc, il faut savoir qu'il y a une ventilation naturelle. Et surtout, l'hiver, si jamais à un moment il fait beau, elles peuvent très bien sortir pour aller boire. Simplement. Elles ont besoin de boire, comme vous. Donc il faut leur donner, d'ailleurs il faut leur laisser un peu toujours avoir de l'eau. Alors nous comme on arrose souvent dans le jardin, il y a toujours de l'eau sur des feuilles, tout ça, donc elles manquent jamais d'eau. Il faut toujours penser à donner à boire aux abeilles. Il faut leur donner à manger. Quoi. Leur donner à manger, en fait, il faut donner à manger, parce qu'en hiver, elles hibernent à partir d'une certaine température. Normalement à partir de 5 degrés, en dessous de 5, elles hibernent. Mais au-dessus de 5 degrés, elles sont réveillées. Entre 5 et plus, elles consomment du miel. C'est là où elles consomment du miel, en fait. C'est justement dans ces températures qui ne sont pas trop froides, malheureusement, elles consomment du miel aussi. Et quand elles n'ont plus de miel, eh bien, le sang meurt. Il faut les nourrir en ce moment-là. Mais ça nécessite de les nourrir. Ou alors, de ne pas récolter le miel. Là, il y a un essaim que j'ai récolté en printemps. J'ai mis une hausse, deux hausses. Elles ont fait deux hausses et demie. Eh bien, j'ai pas récolté de miel. J'ai dit, je le récolterai l'année prochaine. Ouais. Si vous voulez, on peut aller voir. Ouais, on peut peut-être aller voir. Elles ont donné à peu près combien cette année? Voilà. Vous pouvez venir à quelques heures. Voilà ce que c'est. Ça venait. Ça me permet de contrôler la ruche sans ouvrir. Ah d'accord. Là, elle est vide. Elle est vide. Et là, je risque d'enlever la hausse du bas. Dans pas longtemps, je vais aussi brancher, je pense que je vais le faire. C'est un risque. La nuit, surtout. Donc là, vous voyez, par exemple, il va falloir peut-être que je les nourrisse pendant l'hiver. Pas assez de réserve. Non, c'est pratique, ça c'est très pédagogique parce qu'on arrive à voir ce qui se passe à l'intérieur, on les voit évoluer. Quoi. On n'imagine pas qu'il y a tout ça dans une ruche. Ah ben là quand on voit que c'est plein, quand c'est tout jaune foncé là, voilà, on dit la ruche a bien bossé. Là, vous voyez, je m'aperçois qu'il n'y a pas assez. Nous, ça dépend. Ça, c'est une bonne question. En fait, les seins, il faut savoir que pendant l'été, au fur et à mesure, entre le printemps et l'été, au fur et à mesure, il a tendance à descendre. Il en haut, en général. Et il descend vers le bas. Sauf que sur les dents, c'est l'inverse. Ils remplissent en bas et ils vont vers le haut. En fait, ils vont vers le vide. Et là, sur ce type de ruche, en général, on met les hausses par le bas. Mais je peux vous dire que quand ça pèse 40 ou 60 kg à soulever pour mettre la hausse par le bas, les gens rigolent. On se fait à deux points. Il faut soulever pour mettre la hausse par le bas. Normalement, sur ce type de ruche, oui. Celle-ci, ça se met pas en haut. Ça démarre. Mais je ne vais rarement dans le corps de ruche, j'y vais pas. Je soulève rarement le corps de ruche. Je sais que les apiculteurs, ils ouvrent, ils sortent des cadres et tout. Moi, j'aime pas ça parce qu'on touche trop aux ruches. Ouais. C'est comme si on vous prenait le foie, on vous secoue le foie en l'air et puis on vous dit, tiens, comment il est? Ah oui, il est pas mal, tiens, qu'on le remet. Bon, c'est pas génial. Voilà. Donc, les ruches, j'aime bien vous pouvez trouver sur Internet le bouquin de l'abbé Waré, W-A-2-R-E, qui a écrit ça fin du 19e. Qui s'appelle l'apiculture pour tous. Vous l'imprimez et vous lisez ça. Je peux vous dire que déjà vous avez 120 pages. Quand vous aurez lu ça, moi souvent j'y retourne dedans pour
pour m'informer, pour parce que je m'aperçois que j'ai oublié des choses, ou ce soit, bref. Et il a des bons principes, et il avait un principe de base, il disait, moins vous touchez à la ruche, mieux c'est. Pourquoi? Parce que, en fait, la taille d'un essaim fait en général 30 cm de diamètre. Et donc là, à l'intérieur, les ruches font 30 cm de côté. Donc, elles ont moins à chauffer que dans ce style-là de ruche, où là, elles font quasiment jusqu'à 40 à 50 cm. Donc, il peut y avoir des zones de froid, et donc, à ce moment-là, on a les maladies qui viennent plus facilement que dans ce plan de ruche. Mais pour l'exploitation des apiculteurs, ils prennent plus ça que ça. Parce que avec cela, on fait plus de quantité. Ouais. Mais ça meurt plus vite. En dernier, j'ai eu un apiculteur qui avait 1000 ruches. Il m'a dit, j'ai eu 500 ruches qui sont mortes. La moitié. Mais par exemple, j'ai mis une partition là-dedans. Ce qu'on appelle, j'ai réduit la ruche. Pour qu'elle ait moins à chauffer. J'ai mis une partition pour qu'elles aient moins de volume à chauffer. On les voit les abeilles là-bas derrière. Voilà mon petit rucher. Alors pareil, ça a l'air de rien, mais c'est orienté vers le sud-est. Là ici devant, il n'y a rien, parce qu'il faut leur faut une piste de décollage. Il ne faut jamais passer devant les ruches. Si vous passez devant une ruche, il faut passer devant la piste de décollage, passez une fois, deux fois, la troisième fois, c'est bon. Hein. Vous avez droit à l'essaim sur la figure. Donc, il ne faut jamais passer devant. Et ensuite, vous voyez, elles sont un peu à l'ombre. Donc, en été, quand il fait très chaud, c'est vraiment un bien pour les abeilles. Et avoir un point d'eau pas loin. Si vous ne mettez pas de point d'eau, il ne faut pas mettre une bassine. Hein. Si vous mettez une bassine, elles vont toutes se noyer dedans. Il faut mettre une pelle, vous voyez, où elles arrivent tranquillement pour marcher et hop, prendre de l'eau. Il faut penser à leur donner à boire. Pour nous, comme ici, il y a de l'eau partout. Il y a la mare qui est derrière, là, ici. Là. Donc, elles vont à la mare, on arrose. Ici, ben, elles viennent prendre l'eau qui est dans les fleurs, dans les feuilles, enfin bref, un peu partout. Enfin, un biotope ici, comme ici, là, ben, on a un peu de tout. Ici, c'est un miel toute fleur. Alors l'an dernier, on a pu faire la différence entre deux hausses où j'avais vraiment du miel d'acacia. Là, on a pas mal d'acacia à l'entrée de la forêt. Et puis les acacias, il y a une super floraison. Il n'y a pas eu de pluie à ce moment-là. Enfin, c'était génial. Alors là, elles se sont défoulées. Elles m'ont fait 20 kilos de miel d'acacia. Le miel était super clair, blanc, quoi, quasiment. Dans une hausse, d'ailleurs, on voyait bien que, alors là, j'ai séparé les miels, effectivement. Vous voyez bien que le miel, c'est acacia bourrache. Voilà. J'ai pas de miel d'apiculteur. Le miel d'apiculteur, j'appelle ça miel d'apiculteur, c'est-à-dire qu'ils nourrissent avec du sucre. Alors, après, ils prennent du sucre, ils transforment ça en miel, enfin, en pseudo-miel. J'appelle ça du miel sucre. Et puis ensuite, eh ben, c'est ce que vous avez quand vous achetez un miel qui est tout cristallisé. Pourquoi? Ben parce que c'est du miel, du sucre qui a été transformé en pseudo-miel, enfin, elles sont à moitié malades après. Et ensuite, eh ben, elles vous recrachent du sucre. Mais par exemple, pendant l'essaimage, là, il faut être prêt. Il faut être prêt pour avoir du matériel, etc. Après, moi, il faut préparer du matériel pendant l'hiver. Donc là, pendant l'hiver, il faut vraiment que je m'en occupe, que je les nettoie, que je les prépare, que je commence à mettre les barrettes, enfin, etc. Donc là, il y a du boulot pendant l'hiver de préparation. Voilà. Et si vous n'avez pas fait ce boulot de préparation pendant l'hiver, alors ensuite, au printemps, vous courez. Si vous n'avez pas de ruche de prête, vous êtes obligé de préparer les ruches à l'arrache. Enfin, bref, voilà. Moi, je reconnais que je mets rien du tout. Parce que pareil, il y en a qui mettent des languettes, des machins pour le varroa, tout ce bazar. Moi, je mets rien. Alors, bien sûr, c'est acquis tout double. Hein. Mais je reconnais que j'ai jamais eu de ruche malade entière. J'ai des ruches qui sont mortes et la tête est arrivée après dedans, mais c'est là-bas, quoi. Mais pas sur place. Ou alors quand elle était vraiment morte. Alors je la mets peut-être dans celle-là est morte. Je l'enlève. Mais sinon, je n'ai jamais eu de ruche vivante avec des maladies à l'intérieur. Enfin, j'en ai jamais constaté. Quand j'enlevais, quand, surtout à un moment de la récolte, c'est là où on s'en aperçoit. J'ai jamais vu de teigne, de varroa, enfin voilà. C'était relativement pur à l'intérieur. Donc, c'est surtout la préparation qui est longue l'hiver. Et après, pendant l'année, on ne fait pas grand-chose. Et après, deux, trois jours après, c'est pas beaucoup de temps, mais bien, le matin, là, c'est bien. Mais ici,
pas la rue, j'ai vu le toit. Genre là, c'est une en train de passer. Ouais, mais vous les voyez décoller les uns derrière les autres. D'ailleurs, ça fait du bruit. Hein. Juste avoir un orage. C'est quoi la meilleure condition ? Meilleure condition, c'est pas de vent, grand soleil. 13h, 14h d'après-midi. Là, parce qu'elle transpirait, mais tant pis. Et là, il faut regarder et voir si elle travaille. Si elle travaille, c'est bon, je fais le coup. Voilà, on apprend nos erreurs. Hein. Mais c'est radical hein, quand elle vous saute dessus. Vous avez 500 ou 600 abeilles qui vous sautent dessus. Je fais pas le malin. Vous avez combien de temps pour avoir ça part? Bon, 3-4 jours. Ah oui, ouais. Mais bon, ouais, c'est... Mais bon, voilà, après on devient un peu plus méfiant, quoi. On... Enfin, attention, je fais une prière avant de partir, je pars bien mon truc, voilà, si les abeilles sont... Voilà, je les respecte, voilà, c'est clair de le dire. On reste pas tel le bourrin, hein, pour miel obligatoirement. Bon, j'attends la période idéale, si je trouve trop fort, enfin, voilà. À bientôt. Par exemple, des fois, je fais des dessins ici dans les arbres. Je pose la roche par terre, rentre à l'intérieur, on attend la nuit pour transporter de cet important. Sinon, c'est pas tout le monde. Pas celle-là. Il y en a d'autres qui vont sortir.